Madame, Monsieur, bonsoir et merci au besoin de nous pour nous l'émission COVID-19 qui bisait faire. Quantité de contamination dans le monde peut continuer à augmenter. Aujourd'hui, il y a plus de 886 100 cas, 100 dimounes, donc qui contaminés. 886 100 dimounes qui contaminés dans le monde. Plus que 42 000 dimounes qui finent mort en 4 mois seulement. Et pays qui plus toussé, c'est l'Italie avec plus que 12 000 morts à ses eaux. 12 000 morts en 2 mois seulement. Et aussi l'Amérique qui est premier pays côté n'a plus contaminé aujourd'hui. Au départ, sa maladie-là a commencé par une simple grippe dans la province Wuhan, dans la Chine. Après, l'invin l'ennemi redoutable tout ban humain l'on la terre. Aujourd'hui, nous cause une pandémie parce que sa maladie-là pérépane bien rapidement l'eau la terre. Il y a plus que 2 milliards d'immunes qui enfermés que Dieu pour empêcher sa maladie-là progresser, empêcher l'y propager à travers le monde. Et d'immunes bizarres restent loin, en avec les autres pour arrêter la maladie. Et COVID-19 l'a déréglé la planète complètement. Aujourd'hui, nous trouvons la rue qui vide, nous trouvons la ville entière qui finit vidée à cause de ce virus-là. Aujourd'hui, dans Maurice, nous n'enregistrons à l'air qui m'a fait cause à où, et il y a 161 d'immunes qui finissent contaminés avec COVID-19, avec ce virus-là. Et il y a, hier, nous avons malheureusement 5 décès au total à ce jour à cause de sa maladie-là. Chaque pays, ils vivent le COVID-19, ils vivent sa maladie-là différemment. Et nous pouvons être avec nos bonnes invités aujourd'hui soir, Kouma Maurice Lipe Fervas. Avec nous, nous avons le docteur Catherine Go, immunologiste. Vous avez créé un service immunologie à l'île de la Réunion, notamment à l'hôpital Belle-Pierre. Et comment vous vous retrouvez parmi nous aujourd'hui? La Réunion doit beaucoup vous manquer en ce moment. Non, la Réunion ne me manque pas en ce moment. Je suis là en tant qu'immunologiste, spécialiste des maladies virales et donc en tant que conseillère COVID du Premier ministre. J'ai effectivement travaillé 22 ans, créé un service dont j'ai été chef de service d'immunologie clinique au centre hospitalier universitaire de La Réunion, mais mariée à un Mauricien depuis 40 ans, maman de 2 enfants mauriciens et grand-mère de 2 petits-enfants, vous imaginez l'attachement que j'ai à ce pays. Et c'est pour moi un privilège de mettre mes connaissances à son service, même si j'aurais aimé le faire dans d'autres circonstances. Alors, on a une chance inouïe de vous avoir à nos côtés pour gérer cette maladie. Avec nous aussi, le docteur Shyam Manraj, pathologiste et ou directeur à laboratoire Candos, qui actuellement peut faire tout ben test ben patient suspect COVID-19. Oui, dans le laboratoire biologie moléculaire à Candos, nous recevons un échantillon de la part de l'hôpital Souillac et autres, pour un test de la maladie COVID-19. Et en deuxième partie de l'émission, le psychologue clinicien Vijay Ramanjulu pouvait nous rejoindre sur le plateau. Côté nous pouvons appeler le comportement des Mauriciens face à sa maladie-là. Surtout, il y a beaucoup de Mauriciens, la population entière, nous vient dire, confinée à la maison, obligée à rester la case. Et nous pouvons comprendre comment vous êtes capable de gérer ce confinement-là bien. Et nous pouvons écouter aussi vos bonnes difficultés à travers les messages que vous nous allez envoyer, donc à travers nos deux numéros de téléphone. Avec moi pour cette émission, on est à Nitoucha Gia. En effet, Sylvina, Madame Issier, bonsoir. Focus le COVID-19 et qui nous bise à faire pour empêcher cette propagation, ce virus-là, qui banne précaution, nous bise à prendre, et qui banne symptômes, ce virus-là, banne réponse à banne question-là pendant nous l'émission, ou pour une banne doute, ou une banne question, banne appréhension, comme Sylvina Finzian-Ouni, nous pour essayer de nous banne réponse, c'est moi ou pot de parole pendant cette émission-là. Envoyez-nous banne question, le 5D53-6613 et 5-944-6900 par SMS ou WhatsApp. Nous pouvons essayer de prendre un maximum de questions, Sylvina. Ma première question, elle est à vous, docteur Go. Après une semaine de confinement total, les Mauriciens seront autorisés à sortir demain matin uniquement pour les courses. Que vous inspire ce retour de la population dans les rues? Eh bien, écoutez, on ne peut pas rester confiné à sa maison tout le temps. C'est certain qu'on a besoin de se nourrir. Et donc, alors, en tant que médecin, je peux dire qu'on peut avoir une certaine frayeur si les gens
ne respectent pas les précautions d'usage, donc le mètre de distance, le fait de faire attention à ses mains, au contact avec les possibles surfaces sur lesquelles il y a le virus. Mais je dois dire aussi que toutes les précautions ont été prises par le gouvernement. Vous allez voir demain quand vous allez aller faire vos courses. D'abord, bon, les gens ne vont pas tous ensemble au supermarché. Il y a un ordre alphabétique. Ensuite, il y a un chemin qui est fait avec une distance qui doit être respectée, vous allez voir. Et puis, il y a un sens dans lequel on doit aller dans le supermarché. Donc, nous avons essayé vraiment de faire en sorte que les gens puissent faire leurs courses. Ce n'est pas du shopping, hein. Ils ne vont pas regarder le nez en l'air ce qu'ils vont acheter puis revenir en arrière. Non, ils vont faire leurs courses tranquillement. Ils vont acheter ce qu'il leur faut, mais juste ce qu'il leur faut. Ce n'est pas la peine de stocker dans le caddie. Il y a tout ce qu'il faut dans les supermarchés. Il n'y a pas de pénurie du tout. On achète ce qu'il faut pour sa famille et on sait que deux fois par semaine, on peut revenir faire les courses. Donc, nous avons essayé de faire quelque chose qui permet quand même d'avoir accès à ces courses et qui permet en même temps de ne pas retrouver le risque de se contaminer. Car ce virus ne saute pas sur les gens, il ne se promène pas dans l'air pour vous agresser, ce n'est pas vrai. Ce virus, on se contamine par les gouttelettes, c'est-à-dire ce qu'on peut éventuellement expectorer lorsque l'on tousse ou lorsque l'on crache, ça ne va pas à plus que 1 mètre. Donc si on se met aux bonnes distances, vous voyez, nous n'avons pas de masque ici et nous sommes à distance, nous respectons les consignes. Et puis également par le contact, parce que ces petites gouttelettes, elles vont tomber sur les surfaces au-dessus desquelles elles ont été émises. Et puis effectivement, si on pose ses mains dessus, qu'on ne se lave pas les mains régulièrement et qu'on porte ses mains à son visage, car on se contamine en mettant ses mains au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche, qu'on appelle les muqueuses, et on ne se contamine pas au niveau de sa peau. Alors donc, cette réouverture des supermarchés, docteur Go, elle a lieu sur avis médical, forcément, hein, vu la progression de la maladie dans le pays. Les médecins ont dû se consulter entre eux pour dire oui, demain, on peut laisser quelques personnes sortir. C'est sûr. Alors, ça a été fait en concertation avec toute une équipe. Vous savez que tous les jours, sans exception, y compris les jours fériés, le samedi et le dimanche, il y a une réunion avec le Premier ministre lui-même, beaucoup de ministres, et très sérieusement, donc en présence de quelques conseillers, enfin, voilà, nous sommes une équipe, une task force qui vraiment unit ses connaissances et unit tout ce que l'on sait, tout ce que l'on peut réfléchir sur ce virus pour faire au mieux à Maurice. Et je dois dire qu'à Maurice, il y a beaucoup de choses formidables qui ont été faites. La première chose, c'est qu'il y a eu un confinement, il y a eu beaucoup de choses, mais parmi les choses les plus remarquables, il y a eu un confinement extrêmement rapide, très peu de temps après le premier cas. Et ça, c'est, on le sait, la solution actuelle, puisqu'on n'a actuellement pas de traitement dont on est sûr qu'il est efficace contre le virus. Donc la solution qui est adoptée par tous les pays, c'est le confinement. C'est-à-dire qu'on va ne pas multiplier les contacts sociaux pour ne pas multiplier les risques de contaminer les autres. Une personne infectée par le virus a un risque de contaminer 2,6 personnes. Alors entre 2 et 3 personnes, ça veut dire. Et il y a parfois des super contaminateurs qui sont des gens qui vont pouvoir infecter jusqu'à 30 personnes. Donc si on reste chez soi, dans sa maison, on ne va pas contaminer des gens avec lesquels on n'est pas en contact. Ce virus, il vit uniquement dans notre corps. À l'extérieur de notre corps, il meurt plus ou moins rapidement. Donc s'il n'a plus ce virus un corps humain pour vivre, il va mourir et donc il n'y aura plus de transmission aux autres êtres humains. Alors vous faites bien de le rappeler, on est toujours en situation de confinement, le couvre-feu sanitaire Absolument. Est toujours en vigueur. C'est qu'une autorisation de sortir pour aller faire ses courses rapidement Exactement. Et retourner à la maison. Et est-ce qu'il y a des précautions additionnelles? Le Mauricien sait maintenant qu'il doit porter un masque s'il le veut, et s'il doit porter des gants s'il le souhaite. Est-ce que demain, il y a des précautions additionnelles à prendre? Alors, maintenant qu'on a plus de 160 personnes contaminées dans le pays. Oui, alors il ne faut pas tomber dans la psychose. Hein. Ce virus n'est pas partout, il ne va pas venir vous agresser. Il y a suffisamment de spécialistes dans le monde, des milliers de virologues, d'infectiologues, d'immunologistes très brillants qui savent très bien ce que c'est qu'un coronavirus parce que ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à un coronavirus. On a eu le SARS en 2002, on a eu le MERS en 2013. Donc ces virus, on les connaît. Puis les coronavirus donnent aussi des rhinites, des petits rhumes chaque année. Ils reviennent régulièrement. Donc on connaît des virus, des coronavirus qui sont pas dangereux, des coronavirus qui sont
très dangereux. Et puis, on connaît ce coronavirus, qu'on ne connaît pas si bien que ça, finalement, qui est intermédiaire dans les séries où on est sûr qu'on a testé tout le monde, c'est-à-dire la situation de certains bateaux de croisière et la situation de la Corée où tout le monde n'est pas testé, mais enfin où les gens sont très testés. La mortalité, c'est toujours trop, mais cette mortalité n'est que de 0,9%. Donc, c'est beaucoup moins meurtrier que, je ne sais pas, Ebola, par exemple, où la mortalité est de plus de 10%. Donc, vous voyez que c'est quelque chose quand même de pas si grave que ça, et avec un virus qui ne se transmet pas dans l'air. Donc, si simplement on va faire ses courses tranquillement, vous savez que les caddies vont être lavés également. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est de mettre ses mains sur une poignée de caddies sur laquelle il y a du virus, et ensuite de mettre ses mains à sa bouche, à ses yeux ou à son nez. Bon, ben, si on arrive, alors que le caddie a été lavé, donc il n'y a normalement aucun risque, à se contenir, de se tripoter le visage pendant qu'on fait ses courses, ça va très bien. Il n'y a aucun risque dans ces situations-là. Il ne faut pas psychoter comme ça. On est quand même suffisamment spécialisé, on connaît quand même suffisamment ce virus pour pouvoir dire ça. Et le port du masque est obligatoire demain pour les courses ? Oui, alors le port du masque est obligatoire. Pourquoi ? Le port du masque, je précise bien, ça n'empêche pas de se contaminer, mais ça, si quelqu'un est contaminé, ça diminue considérablement, voire ça empêche le risque que cette personne contamine les autres. Donc ce n'est pas pour se protéger d'une certaine façon soi-même du virus, c'est pour que si l'un de nous est contaminé, il ne contamine pas les autres grâce à son masque. Et comme on ne peut pas savoir si on est contaminé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire que les gens n'ont aucun symptôme. Il y a entre, selon les études sont assez différentes, il y a entre 10-15% et 85% de gens qui font l'infection à coronavirus sans avoir aucun signe. Même pas un petit rhume, même pas un petit peu de fièvre, rien du tout. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir dans la plupart des cas si on est infecté. Donc en toute bonne foi, on peut se dire « mais non, je suis en bonne santé, je vais très bien » et contaminer quelqu'un. Et particulièrement, vous le savez, ce virus est dangereux pour les personnes âgées, particulièrement les personnes âgées de plus de 70 ans, où là, il est beaucoup plus mortel. La mortalité chez quelqu'un qui a plus de 70 ans est de 8%. La mortalité chez quelqu'un qui a plus de 80 ans est de 15%. Alors, une dernière question sur les courses. Je vous interromps ici. À propos des précautions toujours à prendre, oui. Une fois après les courses, rentrer à la maison, est-ce qu'il y a d'autres consignes ? Toujours les mêmes consignes, mais bien sûr, quand on quitte sa maison et quand on rentre à sa maison, on se lave les mains tout à fait consciencieusement avec de l'eau et du savon. Et le virus, il a une enveloppe avec des graisses, des lipides. Et ces lipides, ils sont très sensibles au savon. Donc, le savon, ça va dissoudre la membrane externe du virus et ça va le tuer aussi bien que les solutions hydroalcooliques. Donc, il ne faut pas penser que les solutions hydroalcooliques sont la panacée. Franchement, quand on se lave les mains correctement, et je peux montrer aux gens, il ne faut pas se laver les mains comme ça, il faut se laver les mains comme ça, en mettant bien sur l'ensemble de ses mains, il faut se laver les poignets, il faut se laver entre les doigts, et puis les pouces, comme ça, et puis les ongles, comme ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, on se rince bien. Si possible, on s'essuie, non pas avec une serviette qui est restée là très longtemps, mais plutôt avec un papier qui est jetable. Et puis voilà, c'est tout, ça suffit. Après, on n'a plus de virus et on n'a pas besoin de laver ses vêtements, de faire toutes sortes d'élucubrations. Ça suffit, on continue sa vie tout à fait normalement. Alors, je suis certaine qu'on a beaucoup de questions à ce propos, Nitoucha, avec vous. Oui, une première série de questions. Donc, Dr Go, avec les supermarchés qui vont reprendre du service, est-ce qu'on peut vendre des masques dans les supermarchés afin de diminuer justement les déplacements pour stopper la propagation à Maurice ? Alors, encore une fois, les masques simples en tissu n'empêchent pas le virus de pénétrer parce que c'est un tout petit virus, il est très très fin, donc il passe à travers les mailles du tissu. Par contre, ça empêche, si quelqu'un est atteint, ça empêche la projection vers les autres personnes et c'est comme ça que ça diminue les risques. Donc voilà, il faut que les gens le sachent et après, si ça leur fait plaisir de mettre un masque ou de diminuer, c'est une précaution qui est plutôt bonne, on va dire. On a souligné qu'on reste en couvre-feu sanitaire. Bilan de la situation depuis qu'on est en couvre-feu sanitaire. Est-ce que les Mauriciens respectent les consignes chez nous ? Je dirais que grâce aux mesures qui ont été prises, grâce au travail formidable de la police, qui ne fait pas un travail facile et à laquelle malheureusement il a fallu faire appel pour respecter les choses, le confinement est plutôt
par rapport à d'autres pays, bien respectée à Maurice. Mais il a fallu que le Premier ministre et le gouvernement prennent des mesures très fortes auxquelles ils ont été obligés de par l'incivilité de certains. Donc oui, la grande majorité du peuple mauricien respecte très bien les consignes, mais quelques personnes ne se rendent pas compte du danger qu'ils font courir à eux-mêmes et aux autres, c'est-à-dire du risque de contamination quand ils se retrouvent à s'agglutiner parce qu'ils veulent acheter une bouteille de gaz, ou quand en Missouk ils vont à la boutique acheter des choses comme on a pu le voir, ou quand ils se réunissent entre amis. Si vous voulez, il faut que l'ensemble de la chaîne soit brisée. Si quelques personnes sont encore contaminées, l'infection va repartir et tous les efforts que tout le monde aura fait, avec les conséquences que cela a sur l'économie, sur le psychisme des gens, sur cette espèce de peur fantasmatique que l'on trouve ici à Maurice, eh bien, tout ça n'aura pas servi à grand-chose. Ça aura certainement retardé les choses. Alors, il faut bien comprendre que tout ce que l'on fait là, c'est pour donc permettre que l'épidémie ne soit pas dramatique et que l'on n'ait pas ce grand pic-là de patients avec les hôpitaux bondés, les réanimations bondées, parce qu'au bout d'un certain temps, les systèmes de santé, aussi bons soient-ils, sont complètement débordés et ça fait beaucoup, beaucoup de morts. Et on sait que les gens vont sortir pour faire des courses. Est-ce que le contact avec de l'argent peut être considéré comme étant dangereux? Alors, d'une façon générale, je vais répondre comme pour toutes les autres surfaces, il n'y a pas de danger à faire ses courses, il ne faut pas commencer à psychoter. Si on prend des précautions minimales, et donc je pense que les gens sont responsables et peuvent les prendre, le gouvernement a organisé les choses d'une façon à ce que les risques soient les moindres possibles. Bon, l'argent, c'est quelque chose qui est manipulé par les personnes, et effectivement, une personne qui a du virus, théoriquement, peut en mettre sur l'argent, et si juste après, on touche cet argent, oui, il y a un risque. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme toujours, il ne faut pas mettre ses mains à ses yeux, à sa bouche et à son nez. Et une fois qu'on rentre chez soi, eh bien, on se lave les mains, comme je viens de l'expliquer. C'est fini, le virus est parti et là, on peut retrouver ses activités habituelles. Encore une fois, ce virus ne saute pas. Ce n'est que par le contact, par les mains et par les postillons, donc l'écart de 1 mètre, qu'on peut ne pas attraper ce virus ou l'attraper. Donc, ce n'est pas très, très difficile. Il ne faut pas stériliser ses vêtements, dès qu'on rentre chez soi, les mettre à bouillir. Non, non, on peut continuer sa vie complètement normalement. Il ne faut pas mettre les fruits et les légumes en quarantaine. On les range tout simplement dans son réfrigérateur. Et puis, c'est tout. On le sait, il y a quand même suffisamment de gens qui ont un niveau scientifique élevé dans le monde pour qu'on sache ce qu'il faut faire. Donc, dernière question par rapport aux courses. De nombreuses personnes nous indiquent qu'ils ont peur pour aller faire les courses. Donc, vous avez un message pour ces personnes? Toujours le même. N'ayez pas peur. Il n'y a quand même pas de risque. Il n'y a même aucun risque. Je dis bien aucun. Si vous respectez les distances et si vous faites attention à l'hygiène de vos mains, tout simplement, encore une fois, ne vous touchez pas le visage et lavez-vous les mains quand vous rentrez chez vous. Ce n'est pas extrêmement difficile comme consigne. Il n'y a pas de risque. Allez faire vos courses tranquillement. Faites-vous plaisir. Ça fait un moment que vous n'avez pas fait vos courses. Choisissez ce qui vous plaît. Profitez-en. Et puis voilà. Alors, une question peut-être sur le port du masque. Il y a quelques appréhensions à ce sujet. Le masque qu'il faut porter demain, c'est obligatoirement celui qu'on trouve dans les pharmacies ou... Alors, c'est quelque chose que l'on met devant son visage pour faire une barrière à ses propres sécrétions. C'est-à-dire que si on est atteint, qu'on va faire ses courses et qu'on va tousser ou que l'on va éternuer, cette barrière mécanique va arrêter le gros de la troupe, on va dire. Et donc, ça va diminuer le risque de contaminer les autres. Mais encore une fois, ce masque-là ne peut pas, s'il est en tissu, par exemple, ordinaire, ne peut pas empêcher le virus de rentrer. Mais il n'y a aucun risque puisque tout le monde va avoir une barrière. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les masques chirurgicaux et les masques qu'on appelle FFP2 ou P95, je crois ici, ne sont pas utiles forcément en population générale. Ils sont utiles pour les soignants. Ce sont des masques qui ont des performances très particulières. Encore une fois, quand on garde la distance, il n'y a pas de risque. Et là, je ne pense pas être contaminée par mon confrère. Nous n'avons pas de masque. Alors, ça fait plus de 2 semaines maintenant que l'MBC conscientise la population sur les précautions à prendre. Depuis 2 semaines, donc, chaque jour, nous proposons une consigne avec de l'animation graphique. Nous proposons Get & Co, ce reportage-là.
En décembre 2019, un nouveau virus fait une parée de Wuhan. Finbiza fait beaucoup de recherche pour comprendre ce virus-là, pour réaliser combien dangereux il était. Aujourd'hui, dans le monde entier, l'économie papée fonctionne normalement. Covid-19 fait cause un ralentissement, l'entière planète. Qu'était ça, Covid-19, comment l'y transmettre, ce virus-là contenir une information génétique virale. Et ce qui permet de propager vite, l'y capable multiplier grâce à sa bonne l'information la même. Quand un dimoun qui est infecté causé, ou toussé, une gouttelette qui contenait un virus là sorti depuis dans ce labousse. Et c'est comme ça que le virus là propagé. Quand le virus là donne l'autre personne sur l'écho, il rentre en contact avec une cellule dans la gosse, dans l'aîné ou dans le poumon, et qui attache avec un tissu dans l'écho. Une personne qui est infectée gagne un problème respiratoire. Parce que ce poumon peine plus fonctionner normalement. Virus là finit prend place dans ce l'écho. Pour empêcher transmission, ce virus là bisain lave la main régulièrement. Bisain garde distance sociale pour que virus là pas transmette. Bisain enseignement pour renforcer système immunitaire. Pour vin faux, physiquement et mentalement. À cause de cela, l'humanité peut la guerre contre l'ennemi invisible. C'est pas la force militaire qui bisain, mais discipline, patience et solidarité. Sa pandémie-là fin donne la vie, l'eau, la terre, une nouvelle définition. À ce là le monde entier fin réaliser qu'ils ont tout connecté l'eau sa planète bleue-là. Et qu'ils ont l'unité pour construire un meilleur le monde. Ils ont solidarité pour gagner sa bataille-là contre Covid-19. Parce que le virus-là est capable rapide, mais l'être humain est une patience. Doucement, doucement, il pourrait lever. Encore plus fort, prêt pour reprendre ce courage en main. Docteur Go, il y a à peine 14 jours, on pensait qu'on allait être épargné du Covid-19. Mais depuis, on a eu 161 personnes contaminées à ce jour, 5 décès à hier soir. L'évolution de l'épidémie vous paraît inquiétante, à Maurice ? Bon, que Maurice ait pu penser qu'elle pouvait ne jamais être contaminée, je crois qu'il y a peut-être quelques personnes qui ont pensé ça, mais malheureusement, on sait bien que ça va toucher absolument tous les pays. C'est un virus qui est effectivement pas si grave que ça, pas si mortel que ça par rapport à d'autres, mais qui est quand même très contagieux. Il se transmet par voie aérienne. Alors, Maurice, pour l'instant, je trouve que l'épidémie a un côté... il n'y a rien de dramatique pour l'instant à Maurice. La courbe reste relativement plate. Mais je crois qu'à ce jour, nul ne peut prédire ce qui va se passer. Ça dépend d'énormément d'arguments. En fait, le point qui est la seule variable qui indique de façon certaine la gravité de l'épidémie, c'est le nombre d'entrées en réanimation. Parce que le nombre de gens qui sont testés, ça dépend énormément des capacités de tester. Ça dépend beaucoup de la totalité des gens qui sont testés. Donc, c'est très aléatoire. Et puis, le nombre de gens qui meurent, c'est les gens qui ont été contaminés 3 semaines, 1 mois avant. Donc, c'est assez compliqué. Donc, pour l'instant, heureusement, il n'y a pas beaucoup de patients qui sont passés en réanimation. Bon, je n'ose dire que si on continuait comme ça, on aurait peut-être la chance d'avoir une courbe relativement plate, enfin la chance bien aidée par beaucoup de mesures, une courbe relativement plate, donc s'élevant légèrement comme à Taïwan, comme à Singapour par exemple, et qu'on n'aurait pas les courbes absolument catastrophiques qui ont été très plates à un moment, puis qui ont monté de façon extrêmement importante, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, où la situation est catastrophique. Et je pense malheureusement qu'aux États-Unis, ça va être le pays le plus touché. Ça risque, de par les mesures tardives qui ont été prises, d'être vraiment, vraiment catastrophique. Docteur Chamanraj, merci d'être avec nous pour cette émission-là. Je me rappelle qu'il est directeur laboratoire Candos, que tout bantesse, ou corrige-moi si je me suis trompé, tout bantesse patient suspect Covid-19 vient atterrir à Cotou ou qui fait sa bonne analyse, là, du moins, ou l'équipe.
Oui, service laboratoire joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie COVID-19. C'est à trois niveaux. Premièrement, dans le laboratoire, qui besoin faire un test qui vous détermine qui personne qui est dans la maladie et qui personne qui paie dans la maladie. Dans un premier temps, avant l'épidémie même, le laboratoire Candos est préparé pour faire ce test-là à Maurice. Au deuxième niveau, quand la pandémie est forte, laboratoire pour faire d'autres analyses aussi qui pour déterminer qui a une forme grave que le patient, qui peut faire complications et en plus augmente nos capacités de faire le test COVID. Et qui a un échantillon qui est servi pour faire ce test-là? C'est le prélèvement qui est fait. De référence, c'est le test qui est recommandé par l'OMS, c'est le test PCR pour le COVID-19. Ce test-là, il est bien fait dans un laboratoire de biologie moléculaire avec un équipement très sophistiqué, selon les normes de biosécurité assez élevées. Et le test se fait sur un prélèvement de nez ou de gorge ou même de poumon. Et il prend quelques heures pour faire ce test-là. Et aussi, nous avons dit que dans le monde, c'est une nouvelle maladie. Et dans le monde, le test lui-même a démarré vers la troisième semaine de janvier. Et à Maurice, nous avons fini. Commence sa test-là et valide-lui à partir début février. Le 4 février, nous commençons à faire test dans le laboratoire de Candos. Jusqu'au 17 mars, nous finissons à faire 133 tests et nous avons 0 cas positifs. Et je tout connais qu'à partir du 18 mars, nous avons 3 cas positifs, dans 7 tests qu'il nous fait. Et le test sanguin n'est pas compris dans sa bonne analyse? Non, pour l'instant, test sanguin pour venir après ça. Pour faire le test anticorps, on peut décrire ça plus tard. Mais les bons qui nous disent aussi que le test se fait tous les jours au laboratoire et c'est seulement le laboratoire central de Candos qui est habilité à faire sa test PCR COVID-19. Et dans quel délai ou peut-être demain le résultat à ce jour hein? Ils ont dit nous le 14e jour depuis que la maladie peut frapper nous. Et combien de temps ou combien d'heures, combien de jours peut-être ou prend pour rendre un résultat? Résultat, on est maximum dans 24 heures. C'est la capacité de faire les tests aussi augmentée. Au début, nous avons une dizaine de tests par jour. Doucement, nous augmentons nos capacités pour passer à 100 par jour, 200 par jour. Et là, nous arrivons presque 300 par jour. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y aura un résultat là plus vite que 24 heures? Oui, il y a un moyen pour faire le test PCR plus rapide. Nous peut travailler, là, le ministère de la Santé peut travailler pour qu'il nous capable de rendre le résultat là, dans 5 heures de temps, 4 heures de temps. Docteur Go, ce qui m'amène à vous demander, les premiers tests sont-ils fiables à 100%? Vous voulez parler des tests qui recherchent le virus lui-même? Alors, bien sûr qu'ils sont fiables, mais en même temps, cela dépend de beaucoup de choses. Cela dépend de la qualité du prélèvement. Il faut savoir aller profond dans le nez, profond dans la gorge. Mais les gens qui font ces tests sont expérimentés. Et puis, de temps en temps, c'est vrai, c'est plutôt à mon confrère, je pense, de le dire, mais un certain nombre de ces tests peuvent être négatifs parce qu'ils sont faits trop tôt. Ou parce qu'ils peuvent être faits complètement à une phase finale, juste avant la mort, où là, il y a un autre phénomène qui fait qu'ils sont négatifs. Et puis, on sait que ces tests, de temps en temps, peuvent être indéterminés, auquel cas, il faut les recommencer. Donc, cela dépend du moment où l'on fait le test, la qualité que l'on fait, mais nous avons effectivement un excellent laboratoire, et du point de vue laboratoire, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pareil partout dans le monde. Hein. Les tests, ça dépend du moment où on les fait, parce que ce qu'on va rechercher là, c'est le virus directement. Ce qu'on appelle la PCR, c'est vous cherchez les chromosomes, les gènes du virus. Et ce virus-là, il va être présent un certain temps, mais par exemple, au bout d'un certain temps, il n'est plus vraiment dans le nez et dans la bouche, il va être en bas, dans les poumons au besoin. Donc si vous testez à ce moment-là, ça peut éventuellement être négatif. Donc voilà, il faut savoir ce que l'on fait, on le fait bien, mais on sait qu'il y a un certain nombre de faux négatifs. Mais il y a quand même des médecins, il y a le laboratoire qui fait son boulot très bien, mais il y a les médecins qui travaillent aussi. Donc on connaît très bien les formes cliniques de cette infection. En période épidémique, quand on a quelqu'un qui arrive avec de la fièvre, quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui a une radio de poumon très évocative, quelqu'un qui a mal aux muscles, mal aux articulations, il y a aussi des signes très caractéristiques comme la perte du goût et la perte de l'odorat. Eh bien, a priori, c'est une personne infectée par le Covid jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, on peut
dire c'est un Covid, mais d'accord, pour l'instant il est négatif, on va refaire le test. Ça nous est déjà arrivé de tester au début des gens qui étaient négatifs, qui se sont positivés par la suite. Est-ce que c'est arrivé dans le laboratoire ici à Maurice, Bendimoun, qui testait négatif, après une bizarre effet à Tesla, et il est positif après? Oui, à ma connaissance, dans une seule occasion qu'il nous trouve ça cas-là. Un seul cas? Oui. Seul cas au laboratoire. Qui négatif, après nous refait un test là et deux, trois jours après nous trouvons test là positif. Et quelle est l'explication On a plusieurs raisons, comme Dr Goin expliquait, il est capable qu'il nous prend test là au début de la maladie quand test là est négatif, ou sinon le prélèvement pas fait correctement, ou le transport. Donc partout nous trouver ça, capable de gagner quelques cas de faux négatifs. Alors, on le sait aussi, il y a de nombreuses personnes qui ont été mises en quarantaine pendant plusieurs jours et peut-être sont rentrées chez elles. Est-ce que, sans avoir développé la maladie, est-ce qu'après, en rentrant à la maison, il y a des cas où ces personnes ont développé la maladie ultérieurement? Non, alors la quarantaine, c'est 14 jours. On sait que la période d'incubation, c'est maximum 14 jours. Et ça, c'est une donnée qui est quand même très fiable. À vrai dire, c'est surtout entre le deuxième et le septième jour. Si on doit devenir malade, c'est en général avant le septième jour. Mais il y a quelques personnes entre 7 et 14 jours qui peuvent débuter la maladie. Donc, quand on a mis en quarantaine les gens 14 jours, ils peuvent rentrer chez eux avec un test négatif, naturellement, de contrôle, sans aucun risque pour leur famille. Il n'y a aucune précaution particulière à prendre. Les gens qui sont en quarantaine, ce sont des gens qui soit reviennent de l'étranger, ils arrivent en avion, donc c'est très bien fait, on les récupère à l'aéroport, on les installe dans des hôtels. Les hôteliers ont très généreusement mis leurs chambres d'hôtel à disposition du gouvernement pour aider à la prise en charge, à la lutte contre le Covid. Et puis également ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire que quand on trouve une personne qui est infectée, cette personne, elle vit dans un certain environnement au sein de sa famille, et puis elle a pu aller, dans une cérémonie quelconque, par exemple un rite religieux, ou elle a pu aller chez des amis pour une soirée. Alors, on va retracer des gens dont c'est le métier, vont les interroger, il y a une façon de les interroger, vont retracer les cas à risque. Par exemple, si vous avez croisé quelqu'un, il n'y a absolument aucun risque. Si vous lui avez parlé de loin, il n'y a absolument aucun risque. Si vous êtes resté à plus d'un mètre pendant 15 minutes, il n'y a absolument aucun risque. Enfin bon, c'est leur métier, ils savent quoi faire. Et pour ceux qui ont des risques, eh bien on les teste, on leur fait un test. Voilà. Et puis après, on les met en quarantaine, on refait un test à la fin de la quarantaine. Et après, c'est fini, ils restent chez eux tout à fait tranquillement. Alors à ce jour, 161 personnes contaminées au Covid-19. Tous à Bendimoun là, je t'admette, dans un centre hospitalier qui est dédié spécifiquement pour traite les patients du Covid-19. Parmi eux, à l'hôpital Souillac, cette semaine-ci, nous t'y faire un reportage avec le personnel médical de l'hôpital Souillac qui est dévoué jour et nuit pour assister ban malade et donner tout ban soin qui est bizarre. Dans l'hôpital Souillac, personnel la santé et travail grand matin tantôt pour soigner un patient qui finit infecté par COVID-19. Une quarantaine personnels affectés là-bas, sa ban médecin là et qu'infirmier là sont en contact direct avec un patient. C'est une situation qui demande beaucoup courage et détermination. Un staff qu'on a gagné sur convocation pour les vins travaille ici à l'hôpital de Souillac, là les vins préparent mentalement et physiquement. C'est-à-dire, il vient faire sa famille comprendre qui sont l'importance pour le service hospitalier et pour la nation. Et sa famille ici, il vous passe un moment un peu difficile pour le staff-là, le travail, mais il a besoin d'encourager. Ça, c'est important pour que ça, des gens qui sont staff qui peuvent travailler là, ils sont confident. Ça veut dire, sa famille derrière lui. Dans l'hôpital Souillac, un employé peut bizarre ici même. Pour sécurité population et que la famille, je t'allais automatiquement en quarantaine avant qu'ils se rentrent que zut. Une fois qu'il est fini, rentre à l'hôpital Souillac. Là, nous pouvons faire un briefing avec lui. Nous pouvons expliquer lui un peu comment le travail peut faire ici. Nous pouvons faire les joindre mon ancien collègue qui peut déjà un peu travailler. Là, nous pouvons expliquer lui comment pour mettre porter mon équipement, comment pour retirer mon équipement, comment pour donner mon malade soin.
Mais une fois qu'il est fini, rentre dans la salle d'isolement, là, il va vous gagner droit sorti. Là, il faut rester là-bas même, il faut travailler là-bas même, matin et soir. Ce n'est que lors demain qu'il est aussi sorti là-bas. Il peut aller comme ça même pendant un certain temps, et puis là, il peut break, il peut aller en quarantaine. Et les autres staff encore qui vont venir. Ça, pour ce système, il peut continuer comme ça même. Docteur Catherine Gau, est-ce qu'il est recommandé de faire tester tout le monde? Non, il n'est absolument pas recommandé de faire tester tout le monde dans la situation actuelle. Lorsque nous serons sortis de notre période la pire, à ce moment-là, il y aura une stratégie de sortie de confinement, il y aura un certain nombre, on passera à une autre étape et là, on pourra effectivement faire davantage de dépistage selon des protocoles qui seront mis en place. Docteur Manraj, si toutefois nous avons ces mesures-là, un dépistage de la masse, de toute la population, est-ce qu'il y a un laboratoire pour équiper, pour faire autant d'analyses? Il faut savoir que, à part le test PCR, il y a les autres tests qui sont plus simples, plus rapides, qui viennent sur le marché. Et ils existent à deux niveaux. Premièrement, il y a un test rapide d'antigène, qui peut faire alors, un prélèvement également de nez et de gorge, qui gagne un résultat dans une trentaine de minutes. Et deuxièmement aussi, il y a l'autre test pour anticorps, un test rapide pour anticorps, résultat pour dans 10 minutes à 15 minutes. Et ça, on teste l'anticorps là pour faire l'échantillon du sang et pour faire ça dans n'importe quel laboratoire médical, qu'il est public ou privé. À ce moment, nous pouvons faire des milliers de tests pour la sortie de la pandémie. Sûrement beaucoup de questions au sujet des tests, Nitoucha, avec vous. Des tests et également des appels de nombreuses personnes avec des questions. Elle nous rappelle un téléspectateur qui est capable d'envoyer nous des questions au 5253-6613 et 5944-6900 par SMS ou WhatsApp. On a vu Dr Gou dans le reportage qui vient d'être diffusé. Le personnel soignant qui sera en quarantaine, quelle est l'importance du personnel soignant de se rendre en quarantaine? Pourquoi cela? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce personnel soignant, effectivement, il fait son travail, il fait ce qu'il doit faire. C'est notre travail de soigner les patients sans les trier, sans choisir que, voilà, on va soigner un patient qui a telle pathologie, mais pas telle autre pathologie. Je le rappelle parce que c'est très important, c'est notre éthique. Et je voudrais dire à la population qu'effectivement, aller à l'hôpital, soigner ses patients en étant protégé, donc normalement, si on ne fait aucune erreur, on n'a pas de risque de se contaminer, mais souvent, quand on a beaucoup de travail, on fait parfois des erreurs et donc, bien sûr, le personnel soignant est en première ligne. Donc, je voudrais leur dire que se confiner pour l'instant le mieux possible, c'est nous aider, c'est nous permettre d'avoir, et particulièrement ces soignants qui sont sur le terrain, beaucoup moins de patients à prendre en charge et moins d'erreurs à faire. Et donc, c'est vraiment faire en sorte que ce personnel soignant remarquable ne soit pas mis à rude épreuve. Et c'est bien sûr faire aussi de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi ces soignants se confinent? En fait, ils restent 7 jours à Souillac. Souillac, c'est un hôpital très particulier pour l'instant. C'est celui où on fait le NCU et la réanimation. Donc, ce sont les patients les plus graves qui sont là-bas. Et les gestes de réanimation, c'est particulier. Donc, c'est le seul moment pratiquement où il y a un risque de ce qu'on appelle l'aérosolisation, c'est-à-dire qu'en faisant des manœuvres, on pousse de l'air ou de l'oxygène à l'intérieur du corps. Et là, c'est là où il peut y avoir un petit peu de virus dans l'environnement.
Donc là, il y a un risque de contamination dans cette situation très particulière, pratiquement cette seule situation de contamination des soignants. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils sont habillés d'une façon très particulière et ils ont des masques très particuliers aussi, les masques FFP2 ou P95. Et donc, ces personnes étant particulièrement à risque, on leur a proposé de se confiner pendant un certain temps pour ne pas contaminer leur famille. Si, encore une fois, ils ne font aucune erreur, si tout est parfait, ils ne se contamineront pas. Mais dans les gestes pratiques, ça peut toujours arriver. On a parlé des tests qui étaient négatifs au début et puis par la suite positifs. Est-ce que la période d'incubation peut être plus que 14 jours? Alors non, la période d'incubation, franchement non. Ça, on sait que c'est 14 jours et je vous ai dit tout à l'heure, plutôt entre 2 et 7 jours. Mais par précaution, on va jusqu'à 14 jours. Ce qu'on a appris finalement des épidémies européennes et qui n'était pas si clair dans les relations des patients chinois, c'est qu'on disait ensuite, entre le moment où on a les symptômes et le moment où on n'est plus contagieux, c'est 14 jours. Bien sûr, on vérifie avec un test. Et en fait, on a appris que ça pouvait être beaucoup plus, ça pouvait être 21, voire 25 jours. En fait, les gens qui sont les 80% qui vont faire les formes totalement bénignes, eux, à 14 jours, ils n'ont plus de virus, ils sont plus contagieux. Mais ceux qui font des formes beaucoup plus graves, par exemple ces patients qui doivent passer en réanimation, quand ils en réchappent, et il y en a quand même normalement une bonne partie qui en réchappent, ils peuvent excréter du virus beaucoup plus longtemps. Et à ce moment-là, ils peuvent encore être contagieux. Donc, pour cela, on va se dire qu'ils sont contaminants plus longtemps. Nous rappelle ban téléspectateurs qui nous peut continuer recevoir ban questions le WhatsApp et par SMS. À nous c'est là qu'il y a une question qui un téléspectateur Fabien depuis Trou de Douce fin envoie. Bonjour à tous. Et moi ma question c'est est-ce que si ça virus là mis à part nous ban nous la bouche nous néné nous disiez. Est-ce qu'il y a le place pour nous les cours qui les cavent, comment ça s'appelle, qui les cavent, déposent-les, et si oui, combien de temps les caresses-les au Raman Portilla? Par exemple, le nous genou, le nous bande coude, ou bien le nous avant-bras, et le nous mollet, etc. Merci. Docteur Gauss, téléspectateur, souhaite des précisions sur le mode de transmission du virus, outre la bouche, le nez, les yeux. Est-ce que le Covid-19 peut pénétrer le corps par d'autres voies? Alors, le virus ne peut pas traverser la peau. Si vous avez une peau saine, le virus ne peut pas le traverser pour des raisons de taille. Vous savez, notre peau et nos muqueuses, c'est comme un filet de pêche, en fait. Et le virus, c'est le poisson. Donc, il se trouve que les mailles du filet de la peau sont extrêmement serrées et en aucune façon, le virus ne va pouvoir le passer. C'est comme si c'était un gros poisson qui voulait passer à travers les petites mailles du filet, ça ne va pas marcher. Par contre, au niveau de nos muqueuses, les mailles du filet sont plus lâches, elles sont plus grosses. Et il se trouve que le poisson, il a à peu près cette taille-là, il va pouvoir passer. C'est pour ça aussi que je voudrais dire aux téléspectateurs de ne pas aller se faire plein d'instillations dans le nez, des tas de manœuvres, des choses comme ça, parce que ça va faire des petites lésions dans les muqueuses et ça va faire comme si le filet va être déchiré. Vous voyez, les mailles du filet vont être déchirées. Alors là, ça va faire vraiment la voie pour que les virus entrent. Donc non, le virus sur la peau, que ce soit au niveau du coude, de la main, de n'importe où, ne peut pas passer sur la peau. C'est un virus qui se transmet par voie respiratoire. Et nous avons Shane depuis Cadbourne qui envoie une question. Nous avons cette question. Bonsoir tout le monde. Je suis Shane Audouard de Sednac Cadbourne. Tous les jours à la télé, nous recevons les infos pratiques, les conseils et les mesures de protection essentielles sur le COVID-19. D'ailleurs, je salue l'initiative de la MBC. Les docteurs nous disent que seules les personnes infectées doivent porter un masque. Oh, le port du masque doit être obligatoire, même si vous n'êtes pas malade. Quand les petites gouttelettes respiratoires expulsées, lorsque quelqu'un éternue ou tousse, restent dans l'air pendant plus de 5 minutes et peuvent même circuler jusqu'à 6 mètres. Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer le potentiel de propagation du virus? Donc ma question est comme suit. Quelle est la durée de vie du coronavirus dans l'air? Merci. Shane, depuis Cadbourne, Dr Go, pendant combien de temps est-ce que ce virus peut rester vivant sur une surface? Alors, je rectifie ce qu'a dit le monsieur parce que je crois qu'il est mal informé. Le virus ne va pas à 6 mètres du tout. Hein. Si on a dit 1 mètre, c'est parce que tout ça a été très bien calculé. Il y a eu des tas d'essais qui ont été faits. Et en fait, le virus, il tombe à peu près en maximum, je crois que c'est 17 minutes, il va se mettre sur les surfaces et il peut le faire beaucoup plus rapidement.
Donc le virus ne va pas plus loin que 1 mètre, peut-être 1 mètre 20, enfin, je ne sais rien, mais officiellement, toutes les études qui ont été faites montrent bien que 1 mètre, ça suffit. Sinon, vous imaginerez bien que l'OMS et l'ensemble des spécialistes ne diraient pas ça. Alors, est-ce que c'est utile de porter un masque? Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le masque, il est faussement rassurant si on veut ne pas se contaminer parce que quelqu'un vient juste de tousser devant vous. Ça ne protège pas de ça. Mais par contre, si soi-même on est contaminé, ça va. Si soi-même on va tousser ou éternuer dans son masque, oui, ça va protéger des projections et ça va donc protéger les autres. Mais ça ne marche que dans ce sens-là. Après, le masque chirurgical, le masque de professionnel, lui, par contre, il va, alors pour l'un pendant 4 heures et pour l'autre pendant 8 heures, il va protéger complètement. Je rappelle qu'un masque qui est porté par deux personnes, un masque chirurgical porté par deux personnes, est aussi efficace que le fameux masque FFP2. On voit des gens dans la rue avec ce masque qui est complètement professionnel, qui est réservé vraiment dans des situations, la situation où on fait le prélèvement, la situation où on est en réanimation et la situation où on est kinésithérapeute, c'est complètement inutile. Et en plus, ce masque, il est rigide, il est difficile à porter. Du coup, il n'est pas bien porté. Donc, si vous voulez acheter un masque, franchement, je vous conseille d'acheter le masque chirurgical, qui, lui, est très fiable, qui n'est pas désagréable à porter, qu'il faut porter sur le nez et la bouche. On voit plein de gens qui ont le nez à l'air ou alors qui enlèvent le masque pour parler, par exemple, pour faire je sais pas quoi, pour manger, et qui, après, le remettent. Donc, un masque, si vous avez les mains qui ont touché une surface sur laquelle il y a du virus, par exemple sur la table sur laquelle vous avez mangé, qu'après vous attrapez votre masque, vous mettez plein de virus sur le masque, là le virus va être collé au masque et même parfois à l'intérieur du masque, ça ne vous protège pas du tout. Donc il y a une façon d'utiliser les masques. Donc le masque, il peut être faussement rassurant. Il faut vraiment savoir bien l'utiliser pour qu'il ne devienne pas quelque chose de plus dangereux à la limite. Alors, on aborde maintenant Nitoucha avec nos invités, un volet sur la contamination elle-même. Une fois une personne est contaminée par le virus, pour bien comprendre les étapes, docteur Go, quels sont les premiers symptômes de la fièvre, de la toux? Alors, d'abord, je répète que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de symptômes, notamment chez les enfants, chez les gens jeunes. Le plus souvent, il y a pas de symptômes. Donc on ne peut pas savoir si on a été ou non contaminé par le coronavirus ou si on est encore contaminé actuellement et contagieux. C'est pour ça que tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire d'avoir un jour peut-être la certitude qu'on a été infecté par un examen sérologique dont on va reparler, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde doit considérer qu'il est à risque. Donc ça, c'est la première chose, les formes asymptomatiques, sans symptômes. Après, il y a des formes mineures. Les formes mineures, c'est j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai un peu mal dans les muscles, j'ai le nez qui coule un tout petit peu, mais c'est une petite grippette, c'est rien du tout, et au bout d'un jour ou deux, j'ai plus rien du tout. La forme classique, la plus fréquente, c'est de la fièvre et parfois de la fièvre élevée, en tout cas plus que 38 de fièvre, mal dans les muscles, mal dans les articulations et puis souvent de la toux plutôt sèche au début. Et certains évoquent une perte du goût et de l'odorat. C'est vrai, il y a des formes, effectivement, où il y a une perte du goût et de l'odorat. Ce n'est pas systématique, mais par contre, c'est très évocateur. À la limite, quelqu'un qui actuellement perd le goût et l'odorat, ce n'est même pas la peine de la tester. Bon, je vais un peu au bout des choses, mais c'est une boutade, mais on sait que c'est ça, on sait que c'est un Covid. Il n'y a pas tellement de maladies qui font perdre comme ça le goût et l'odorat. Donc, la forme classique, c'est ça. Et il y a d'autres formes, et notamment je tiens à insister sur les formes des personnes âgées, parce qu'elles sont très à risque. Donc elles peuvent avoir ce type de forme, mais elles peuvent également avoir de la diarrhée et des vomissements isolés, ou alors une apathie, elles peuvent être très 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 fatiguées. Puis il y a des formes particulières qui peuvent toucher le cœur. Bon, ce n'est pas très fréquent, mais on peut avoir une myocardite, une atteinte de son muscle cardiaque. Il y a des formes qui peuvent toucher le foie. Donc, ce n'est pas uniforme, mais ça, les médecins le savent. La forme la plus fréquente, c'est j'ai de la fièvre, j'ai de la toux, j'ai mal un petit peu partout. Alors, cette maladie, elle est très particulière quant à ses symptômes. En fait, elle a deux phases. Elle a une première phase, à peu près les 8 premiers jours, où les symptômes sont ceux que je viens vous décrire et où, en général, tout le monde va à peu près bien. Et puis, une fois que le virus lui-même a agi, notre système immunitaire, ce qui sert à nous défendre contre les microbes, parce que nous avons en nous une armée,
dont le rôle est d'aller tuer tous les étrangers qu'on ne reconnaît pas comme étant, comme appartenant à nous dans notre corps. Et ça, c'est le système immunitaire, c'est un truc très complexe, comme une armée et tout, qui va finir à faire ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire des soldats caractéristiques pour aller tuer ce virus-là, et que l'on trouve donc par les sérologies. On sait, quand on a une sérologie positive, quand on a des anticorps, que l'on a eu telle ou telle maladie. C'est la preuve, et ça va nous servir pour sortir du confinement. Donc, au début, toujours, dans la réponse immunitaire, il y a une phase inflammatoire, une inflammation. C'est-à-dire, le système de l'immunité, toutes les cellules vont être en ébullition. Et dans cette maladie, chez certaines personnes, et particulièrement les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, des maladies rénales, une obésité également, une hypertension artérielle, un diabète, eh bien, cette réponse va être beaucoup trop forte. Elle va être aberrante, comme on dit. Vraiment, le système immunitaire, il va se tromper, il va répondre de façon trop importante. Et là, ça va faire une maladie pulmonaire très particulière qui n'est plus vraiment une maladie virale, qui est une réponse immunitaire aberrante à la maladie virale, et c'est ça qui tue les patients. Donc, la première partie du traitement, c'est plutôt un traitement contre le virus, mais la seconde partie, c'est plutôt un traitement à base d'immunosuppresseurs, de corticoïdes, etc., qui va faire se calmer la réponse immunitaire. Plus, bien sûr, l'oxygène, et si ça va moins bien, la réanimation. Donc, vous voyez, c'est deux phases complètement différentes. Une personne testée positive, donc contaminée au Covid-19, mais qui n'a aucun antécédent de maladie. Une personne qui n'a... Personne saine. Oui, une personne saine, mais contaminée. Est-ce qu'elle peut être traitée à la maison? Alors, oui, alors traitée et même pas forcément traitée, parce qu'en dehors du paracétamol, donc Panadol, je crois, chez vous, oui. Il n'y a pas beaucoup de traitements dont on est sûr de l'efficacité. Il y a énormément de traitements qui sont testés. Donc, il y a celui dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation, qui est l'hydroxychloroquine avec un antibiotique qui est l'azithromycine, dont on sait de façon certaine qu'il fait diminuer la quantité de virus dans le corps, donc biologiquement ça marche. Maintenant, sur le pronostic vital, sur l'amélioration de la situation clinique, on n'en a pas encore la preuve absolue. Puis, il y a d'autres médicaments aussi qui sont à l'étude. Il y a deux énormes études, une plutôt continent américain nord et sud et une autre plutôt européenne, dont on aura les premiers résultats dans 10 jours. Donc ils testent et comparent des gens qui sont apparentés, c'est-à-dire ils ont dans les groupes le même âge, la même situation clinique, la même existence de comorbidité. Alors, il y a un groupe qui est traité, l'autre groupe qui n'est pas traité. On va regarder s'il y a une différence significative entre les deux groupes. Et parmi les médicaments, donc il y a l'hydroxychloroquine, il y a des médicaments contre le VIH, le virus du sida, il s'appelle le lopinavir-ritonavir. Il y a des médicaments contre le SRAS ou contre Ebola également. Il y a des médicaments de l'hépatite C. Et puis, il y a ces fameux immunosuppresseurs, des anticorps monoclonaux, de l'interféron, du TNF, enfin différentes choses. Là, il y a des essais cliniques, disons, bien menés qui nous donneront des résultats et j'espère, alors personne ne peut prédire ce que ça va donner, j'espère qu'on trouvera un médicament, ce qui changerait énormément les choses. Quant au vaccin, il faut quand même au moins 12 à 18 mois pour avoir un vaccin. Il y a un très très bon candidat qui est un vaccin, une espèce de modification du vaccin contre la rougeole, qui semble un excellent candidat. Mais là, on ne peut pas se prononcer pour l'instant. Et donc, comment reconnaître l'aggravation de la maladie, docteur Gau, si on est à la maison, on a une petite fièvre, un peu de tout. Alors, et on comprend que là, ça c'est grave, il faut aller à l'hôpital. Alors, en fait, je vais répondre à la première question parce que j'ai divagué sur autre chose. On peut rester à la maison. Oui, c'est possible de rester à la maison. Mais surtout, à l'heure actuelle, quand on a de la fièvre et qu'on pense être infecté par le virus, il faut se signaler. Il faut appeler la hotline. Donc, c'est le 8924. Et il faut dire qu'on a de la fièvre. Quelle est la conduite à tenir? Et là, on vous passera un médecin. Ou si le médecin est occupé, le médecin va vous rappeler. Parce que cette maladie, on ne peut pas savoir si c'est celle-là qu'on a ou on a une otite ou une angine ou je sais pas quoi, moi, une infection urinaire quand on a de la fièvre. Et il y a simplement un médecin qui peut le savoir. Donc, dans cette situation épidémique, il faut se signaler. Donc oui, si on est sain et qu'on est jeune, par exemple, on peut très bien rester chez soi à condition que l'on puisse se confiner correctement. Pour l'instant, ce n'est pas le protocole de Maurice. Pour l'instant, les gens vont encore à l'hôpital. Ça peut changer, évidemment, en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Mais il faut penser aux autres et se confiner. Quels signes on doit surveiller? Sa fièvre, matin et soir, deux fois par jour, et surtout l'apparition de signes de détresse respiratoire. C'est-à-dire qu'on commence à respirer plus vite, à être un petit peu essoufflé alors qu'on ne fait pas d'effort. Dès que ça commence, là, il faut immédiatement appeler, paraître la hotline. On va venir vous chercher et puis on va s'occuper de vous. Parce qu'une des caractéristiques de cette maladie, c'est que, étant donné qu'elle entraîne des signes respiratoires, bon, dans la plupart des cas, on va à l'hôpital, on vous met un petit peu d'oxygène en 2-3 jours, puis voilà, ça se passe bien, c'est terminé, vous rentrez chez vous. Mais de temps en temps, ça s'accélère extrêmement vite, particulièrement chez les personnes âgées, hein, particulièrement chez les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies. Et du soir au matin, on peut aller bien le matin et mourir le soir. Donc là, il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'on veut que les gens se signalent, parce que nous, c'est notre métier, et on sait qu'est-ce qu'il faut surveiller et qu'est-ce qu'il faut faire quand une personne a ce genre de symptômes. Donc oui, on peut à la fois rester chez soi si on n'a pas de problème, mais dès qu'on a un problème, là, il faut signaler tout de suite. Alors, la nouvelle m'arrive à l'instant même, docteur Go. On recense un 6e décès dans le pays, malheureusement. Et nos pensées donc vont à la famille de cette personne décédée du Covid-19. Un 6e décès à Maurice. Et un peu plus tôt dans la journée, nous interroge le docteur Kailash Jagatpal, ministre de la Santé, sur tous nos bons dispositifs qui Maurice a pour combattre sa maladie-là. Nous permettons d'écouter son interview. Bonsoir Sylvina, bonsoir les invités, bonsoir tous les téléspectateurs. Bien, la question c'est qui, combien de patients nous sommes capables de traiter à la fois. Alors, comment on connaît le COVID-19? Il y a différentes façons de présentation, c'est-à-dire où il y a un cas qui a un symptôme minime, et puis où il y a un cas qui est un petit peu plus sévère, et puis où il y a un cas, certains cas qui viennent bien sévères. Basé sur ça, vous pouvez dire qu'il y a un cas qui est bien sévère. Déjà, à l'hôpital de Suyac, nous avons une faire qui est convertie dans l'hôpital que nous sommes capables de donner un traitement ICU, alors que le traitement est intensif. Alors, dans ce cas-là, là, à valeur du jour, nous avons 12 équipements qui nous équipent. Et dans la semaine qui peut venir, nous sommes capables de donner à peu près 40 patients qui sont capables de mettre le ventilateur. Nous avons l'hôpital INT. L'hôpital INT est déjà un hôpital qui a à peu près 120 lits. Alors, nous sommes déjà capables de traiter sa quantité de benzimoun là-bas. Et là-bas, nous plus traiter de benzimoun qui peine à un symptôme grave, mais en même temps, qui benzimoun qui est âgé ou bien qui a encore des autres problèmes, des problèmes médicaux, tension, diabète, cardiaque, etc. Ensuite, nous finons aussi convertis deux centres que nous faisons de venir ben centre que nous sommes capables de faire ben dimoun qui n'a ben symptôme minime. Ben symptôme minime, mais qui est COVID positif, que là-bas, déjà, il y a ben médecin qui fait un suivi de 24 heures. Et puis aussi, nous avons ben certains médicaments, nous donnons depuis là-bas même. Et ben service, par exemple, ben emergency qui nous si nous capable nous besoin de donner nous pas de tout, sans oublier qui oxygène, c'est une affaire importante pour nous garder de tout. Et moi aussi capable de dire que dans ben des différents hôpitaux, nous déjà énorme ben wards qui fin converti pour garde ben dimoun qui fin vient l'hôpital avec la fièvre que ben médecin suspect, ben suspect qui est énorme COVID-19. Tant qu'ils nous répatrient les autres dans ben les autres hôpitaux, nous capables, entre-temps, finir, commencer de notre traitement, faire le ben test, ainsi de suite. L'équipement pour ben personnel, comment vous trouvez, c'est si nous pouvons travailler dans une condition côté de ben patient là, autres là tous les jours, ou besoin d'un certain équipement qui est plus spécialisé, c'est-à-dire ben équipement, c'est ce qu'on appelle personal protective equipment, et la moindre qui ou travaille dans un service général, ou besoin d'un le masque, etc. Maintenant, je voulais dire que là, valeur du jour, nous avons tous un équipement. C'est normal que si nous trouvons le nombre qui nous dépend aussi, qui quantité de patients nous peut gagner, qui quantité de patients nous peut aller, nous rapide response team puis aller, ça va être équipement là, il peut augmenter. Valeur du jour, nous avons tout un équipement pour une certaine période de temps.
Je suis capable de dire que le gouvernement il finit prend toutes les dispositions pour amener beaucoup plus d'équipement qui peut venir dans les semaines qui nous viennent. Ben, l'hôpital qui n'est pas traité de COVID, nous avons dit aller comme ça. À ce jour, nous avons fini de penser n'importe qui patient qui vient dans l'hôpital, le médecin il y a un screening qu'il fait, il connaît qui ce patient-là est capable d'un cas de COVID. Si le médecin fait ça, il vient d'un cas suspect. Et là, à partir d'un cas suspect, il est dans une certaine manière jusqu'à ce qu'il fasse ce test, il fasse la confirmation et puis il décide. Alors, pour ça, certains médecins engagent, pour quand je gagne un cas suspect, ça va être médecin là aussi, je tenais tout un équipement qui visait pour ce travail. Là, je fais un appel au personnel qui a un équipement. Le ministère de la Santé distribue ces équipements-là. Nous pouvons distribuer chaque semaine. Que l'équipement infini qui peut-être finit un peu plus nombre de cas, mais toujours là pour donner un équipement supplémentaire, comme ça à l'hôpital, dans les différents centres, nous pouvons un manque d'équipement, mais c'est sûr qu'il nous peut faire un service hebdomadaire que nous ne pouvons pas donner pour une longue période, parce qu'il quand même nous besoin de moniteur, sa façon qu'il nous peut donner un équipement là. Nous aussi, nous pouvons faire un calcul épidémiologique parce qu'il nous peut guetter comment ben cas là se manifester dans la société et à partir de là, nous sommes capables de connaître qui quantité cas il y a. Si nous pouvons baser nous là, nous ne sommes pas capables tout à fait dire est-ce qu'il nous finit gagner un cas de contamination en masse. Ça lui donne un peu de temps parce que là, ce qu'il nous peut faire, nous peut limiter la transmission des cas, nous peut casser la chaîne. Mais avec les temps et ben les autres moyens de test, nous sommes capables de connaître, permettre de connaître est-ce que ben Dimoun a déjà fini gagner ce virus-là et ensuite il a fini de développer certains anticorps contre ce virus-là. Ça, les temps pour dire. Une interview réalisée dans l'après-midi de le ministre de la Santé, le docteur Kailash Jagatpal. Entre-temps, sur le plateau, nos psychologues cliniciens, Vijay Ramandulu, Invin Rezoine-nous, nous pour causer un peu tout ce drame, peut-être que beaucoup de familles à Maurice vivent. C'est assez difficile. Peut-être me prend une question en rappelant cette actualité, cette nouvelle qui vient de nous arriver, un sixième décès dans le pays dû au Covid-19. Vijay Ramandulu, Motipu Demanou, c'est connu, le deuil ne se fait pas comme normalement avec le Covid-19. C'est une pratique normale, peut-être le docteur Go pourra nous expliquer cela tout à l'heure. Ban proche qui gagne un dimoun qui est décédé dans la famille, malheureusement, et quand arrive la mort de cette personne-là, je ne suis pas capable de faire le rite funéraire comme il se doit, comme un habitué fait à l'île dans Maurice. Et ça, c'est bouleversant pour les familles. Oui, bonsoir. Donc, nous sommes capables d'imaginer que faire le deuil dans la conjoncture actuelle, donc par rapport au Covid, les récentes affaires très, très dures. Donc, déjà, moi, quoi, dans un premier temps, il est important de nous comprendre qui ça veut dire le deuil. Le deuil, c'est un processus qui prend place généralement quand il y a la mort. Donc, c'est un processus de cicatrisation. Donc, comme a dit, donc, nous finissons faire face à une grosse blessure, à une grosse souffrance. Le deuil, c'est le temps qui ça dit mal là, sa souffrance là, pour prendre pour l'issec. Donc, il est important de connaître, par exemple, quand dans un cas normal, quand nous avons dit un dimoun est mort, ben, une première réaction qui nous gagne généralement, d'ailleurs, ben, dimoun, le public pourrait connaître, souvent des fois, nous choquer. Nous dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, je ne peux pas croire que dimoun est mort. Et puis, quand c'est une réaction tout à fait normale, et puis quand on trouve le corps, quand on a devant le corps, ben, quelque chose commence à venir un petit peu plus évident. Mais même ça, il est important de connaître que qui dit deuil, dit tout un cheminement qui nous peut bien passer au niveau mental avant qu'il finalement nous arrive à accepter qu'il dit mon une mort. Entre autres, nous passons par une phase de déni, de choc, de déni, de révolte, de dépression, et puis vers l'acceptation. Dans le cas du COVID, donc, la situation est très particulière parce que Dimoun-là est malade, il est à l'hôpital. Donc, le rituel
qui nous habituent, c'est-à-dire que nous sommes capables de rendre visite, tout ça, là, c'est plus possible. Nous sommes capables de communiquer des histoires par téléphone. Et éventuellement, dis-moi la mort, donc sans qu'ils nous capables de causer, sans qu'ils nous capables de dire au revoir. Et donc, quand on apprend qu'il y a du monde là, c'est tout le même processus qui est arrivé, le choc, etc. Mais mon corps, ce qui nous vient faire ressortir, ce qui est très particulier, c'est que dans le cadre du COVID, nous ne trouvons pas du monde là, parce que ce matin, moi, je suis avec Catherine, donc par rapport au contexte, donc, ben là, fini, ferme cercueil. Oui. Le cercueil avec le corps est rendu à la famille. Et mon corps qui, comme on dit, est un petit peu plus bonnet dans mon cas classique et dans le déni, nous sommes capables d'imaginer que si nous ne trouvons pas le corps, il est plus difficile pour nous accepter qu'il dit mon mot. Et mon corps qui, comme on dit, c'est Catherine un petit peu plus tôt, donc mon corps qui peut-être nous capable de réfléchir un petit peu le bon système qui nous capable de mettre en place, peut-être avant qu'il dit mon nom, enfin, quand il dit mon mot, si peut-être l'équipe soignante capable de prendre photo du mon pour qu'ils soient capables de montrer ça à la famille. Comme ça, ça est capable d'aider la famille pour éventuellement cheminer plus vers l'acceptation de la mort de la personne. Donc, bien sûr, ça peut dépendre de paramètres. Docteur Gauss, donc c'est une pratique normale dans le cas d'une épidémie de ne pas laisser faire ce dernier hommage aux parents. En fait, c'est des morts qui sont quand même extrêmement douloureuses parce que d'abord, c'est des morts qui sont très rapides chez des gens qui n'étaient pas programmés quelques jours avant pour mourir. Bon, en général, des gens âgés, mais vous savez que de temps en temps, ça peut au hasard, tout comme la grippe, toucher quelqu'un de jeune. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Et donc, effectivement, au moment de la mort, les fluides, c'est des détails un peu sordides, peuvent être excrétés. Et dans ces fluides, il y a énormément de virus. Donc, il y a un risque de contamination énorme. Et beaucoup plus que quand la personne est vivante. Et à cause de cela, il y a une réglementation, on va dire, internationale, des recommandations de l'OMS, mais des recommandations dans tous les pays, de laver le patient qui est mort dans la chambre dans laquelle il est décédé, de le mettre dans une housse immédiatement, et ensuite de le mettre dans le cercueil et de fermer le cercueil. Parce qu'il y a donc la possibilité que dans les liquides, le virus vive quand même quelques heures, peut-être plus d'une journée. Donc à cause de cela, effectivement, les rites funéraires ne peuvent pas, on ne peut pas dire au revoir vraiment. Déjà, on n'a pas pu venir le voir, cette personne, parce que c'était des gens qui étaient isolés. Mm-hmm. Donc on n'a pas vécu vraiment la maladie. On a été brutalement arraché à cette personne qui a dû seule affronter la maladie. Déjà, c'est horrible de se dire ça. Et puis qui ensuite est mort seule. Et puis qui finalement n'est pas revu avant, jamais, quoi, avant l'enterrement. Et les enterrements en plus, étant donné qu'il ne faut pas qu'il y ait de... trop de monde, c'est limité à une dizaine de personnes, donc la famille doit choisir. Donc oui, c'est des circonstances qui sont particulièrement horribles. Malheureusement, elles se justifient par le fait que le risque de contamination de la famille serait extrêmement élevé. C'est pareil partout. Bon, c'est comme ça à Maurice aussi. Par contre, on peut incinérer, on peut enterrer le corps, on peut faire ce que l'on veut avec le corps. Vijay Ramandjulu, comment accompagner les proches dans une situation pareille? Écoutez, moi, quoi, comme on nous a dit, allez, là, donc, qui dit deuil qui dit mot dit choc, et vous connaissez quand on nous fait face à la mort, c'est toujours, il y en a toujours une dimension traumatique, donc c'est toujours une valeur de trauma. Et quand nous traumatisons, mon corps, un phénomène qui nous retrouve le plus souvent, c'est nous choquer, nous couper au niveau émotionnel. Donc nous gagnons le choc, dit comment dire, physiquement sauter, nous couper au niveau émotionnel. Et quand nous couper au niveau émotionnel, une tendance pour isoler nous, pour rentrer un petit peu dans nos bulles et pour souffrir tout seul. Mon corps, dans mon cas comme ça, il est extrêmement important de mettre en place une cellule d'accompagnement, justement pour essayer de faire du monde là, pour un petit peu, une façon de causer, réanime la pensée. Parce que mon autres, la pensée a été figée, la pensée a été anesthésiée. Donc, il est important qu'une médecine professionnelle qui comprend la thématique du deuil, pour accompagner sa bonne famille-là, pour dans un premier temps faire autre causer dans la particularité, pour faire autre justement sortir dans sa l'anesthésie-là, mm-hmm. et mettre bon mot de ce bon sentiment. Ça, je crois, dans un premier temps, est extrêmement important pour nous faire lire. Et je crois que
comme on dit, il est extrêmement important de mettre en place une cellule d'accompagnement psychologique. Et puis, éventuellement, je crois qu'il pénalise un professionnel de la psychologie, par exemple, qui est capable d'accompagner sa mandimoula, je crois qu'il nous capable aussi mettre en place des autres affaires. Par exemple, vous connaissez un rituel extrêmement important, surtout quand on peut passer dans un processus de deuil. Donc, il nous connaît que l'île Maurice est très pieux, et très attaché à ça. Et pourquoi, dans une circonstance comme ça, nous capable faire appel à un chef religieux pour capable donner une dimension de ritualisation au deuil, parce que les rituels, il y a la particularité d'être bien symbolique et de donner sens à quelque chose qui, justement, nous n'est plus comprend qu'il n'a plus sens. Alors, peut-être là, on comprend encore mieux le rôle important du personnel de santé, docteur Catherine Gau. Ils sont ces infirmiers, ces médecins, les dernières personnes, peut-être, avec ces malades mourants, hein, les dernières personnes à voir ces malades mourants. Est-ce que... Par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ceux qui sont au chevet des malades en ce moment? Est-ce que ce sont les médecins spécialistes en maladies respiratoires uniquement? Ceux qui sont auprès des patients qui sont en situation de péril vital, ce sont les anesthésistes réanimateurs, mais ce sont aussi les infirmiers, ce sont aussi les aides-soignants, c'est aussi les gens qui font le ménage, c'est tous ces gens-là. Hein. Les gens qui sont autour de ceux qui vont mourir, c'est une équipe. Alors, le but, c'est de les sauver, hein, quand même. Et d'ailleurs, le gouvernement mauricien était très loin, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de traitement, mais on donne quand même de l'hydroxychloroquine et on donne quand même de l'azithromycine pour... bon, c'est pas toxique, enfin, ça l'est à peine, il n'y a pas beaucoup de risques. Et donc, on essaie de leur donner toutes les chances. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, d'accord. Mais si jamais ça marchait et qu'on l'apprenait après par les essais, on a décidé de le faire. Donc, on va au bout de ce qu'on peut faire. On les intube, on les réanime. On va au bout de ce que la médecine sait faire. Mais malheureusement, dans notre métier, on sait bien que la mort, ça existe et on a tous accompagné de très nombreux patients à la mort. Donc là, il y a la part professionnelle et puis il y a notre part d'humanité. C'est jamais facile hein, d'avoir un patient qui va mourir, même si on est habitué. Moi, j'ai vu mourir des centaines de gens, je les ai accompagnés. Je suis beaucoup occupée de patients avec le VIH, d'enfants avec le VIH. Et donc, j'ai vu mourir, à l'époque où ils mouraient, énormément de patients. Donc, quand ça nous dépasse, eh bien, c'est notre humanité et notre professionnalisme qui nous sert. Donc, il y a des gestes, on prend des mains, on parle, on essaye d'apaiser et on le fait avec tout notre cœur. Hein. Alors, évidemment, ça ne remplace pas un proche. Hein. C'est quelque chose de tout à fait différent. Mais s'il n'y a pas de proche, eh bien, on essaye d'accompagner les gens le mieux possible dans la dignité. On fait en sorte que leur lit soit bien propre, on peut mettre de la musique, on peut essayer de faire le maximum pour que les choses se passent bien. La mort, c'est la dernière étape de la vie. Nous allons tous mourir. Le jour où on naît, on sait très bien qu'on va mourir. Mais la mort peut être moins dramatique que la mort des patients qui sont infectés par le Covid. Parfois, la mort, elle est préparée par celui qui va mourir. Elle est vécue en toute sérénité. Ça n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Dans cette situation-là, c'est particulièrement brutal, comme la mort de quelqu'un qui a un accident de la route, par exemple. Et c'est particulièrement triste parce que ce qu'on veut, c'est accompagner, être là avec la personne que l'on aime. Or là, pour des raisons de risque infectieux, ça n'est pas possible. Donc oui, c'est difficile. Les soignants, ils font tout ce qu'ils peuvent, et les soignants, c'est aussi des êtres humains. Donc, nous aussi, ça nous touche. Hein. Alors, ça ne nous écroule pas par terre, parce que sinon, on ne pourrait pas continuer notre métier, mais bien sûr qu'on ne peut pas... Voilà, on respecte les gens qui sont en train de mourir, on essaye de leur apporter, malgré tout, un certain amour. Alors, un peu plus bonnet à nous, fin écoute le docteur Kailesh Jagatpal, qui fin explique nous tout un dispositif qui Maurice disposait, donc qui Maurice est là pour faire face à sa maladie-là. Et qu'en est-il du secteur privé? Ça veut dire une clinique privée. Est-ce qu'ils peuvent donner un coup de main dans la lutte-là? Nous fin interroge le docteur Daoud Oharis, qui est président de l'association des cliniques privées. Vous êtes le président de l'association des cliniques privées. Comment un établissement privé pense pour collaborer avec l'hôpital, nous capable de dire, dans la lutte contre le COVID-19? Si en cas tout l'hôpital est rempli, vous êtes capable de réquisitionner un autre hôpital régional que nous décider, nous accepter, prendre tous les malades qui sont dans l'hôpital là, ben tout le cas non COVID, que nous capable parce qu'il est plus facile de nous habituer, nous continuer le traitement qui est là.
Alors, nous sommes capables de libérer ça va à l'hôpital régional. Si on a un manque de ventilateurs, et si on a un malade qui a besoin d'une respiration artificielle, ça aussi nous pour collaborer aux autres. Quantité de ventilateurs qui nous aident à la clinique, alors ça aussi nous pour capables d'en autres, nous capables d'offrir au ministère de la Santé. Ça. Pas n'est que ça, on a un appareil d'anesthésie qui s'est libre et nous capables, ça aussi nous capables de vous faire autres en cas de manque de. Qui ne sont pas réussi à aller depuis la Chine. Plus nous demandons pour faire un test de détection, parce que là, pour le moment, nous limiter, mais on connaît que le gouvernement peut augmenter souvent le nombre de tests qu'il peut faire par jour. Il peut augmenter encore. Est-ce que vous pouvez dire nous, quelles mesures, quelles cliniques peuvent mettre en place pour détecter les nouveaux cas? Nous, toujours, peut donner un service essentiel. C'est un petit monde qui vient avec nous, avec la fièvre, avec tout. Mais ce qui est plus important dans ces cas-là, les besoins est en contact avec quelqu'un qui est en positive S ou quelqu'un qui a voyagé dans les derniers déploiements ou c'est quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un qui a voyagé. À ce moment-là, nous sommes capables de faire un test si nous pensons et qui est capable d'une possibilité, un test nous sommes capables de demander ou soit nous sommes capables d'avoir un Regional Public Health Superintendent qui va même faire un test. Parce qu'ils ont une équipe mobile aussi qui peut bouger en même temps. Entre-temps, nous sommes capables de garder le malade là en isolation, avec tout ça, précaution qu'ils besoin prendre. Et s'il est positif, c'est le gouvernement qui prend des covers et amène eux dans l'hôpital pour un traitement. Au niveau de ma clinique, qu'est-ce que peut faire pour protéger ce personnel? Tout ce qu'ils ont habitué à dire à la population, des précautions. Et du moment qu'ils ne peuvent pas avoir un cas positif, nous toujours peut donner un masque, nous peut donner ce qui est les gants si c'est nécessaire. Un dimoun peut tous se prendre un petit une plus précaution. Nous pas peut faire protection lisière mais ça aussi nous pour faire lier un petit peu dans l'avenir parce que nous pas peut gagner beaucoup de cas positifs nous. Et comment nous douter si on a une suspicion, nous peut faire un test pour finir envoyer les autres à l'hôpital Souillac pour le moment. Justement, pour cause protection lisier, comment est-il possible qu'il m'a dit un dimoun capable d'être infecté à travers ce lisier? Il n'est pas transmis par la peau ou rien. C'est là que ça dit, il faut garder un social distancing. Si vous êtes trop près, quand il peut tousser, il est capable de transmettre ça. Parce qu'il transmet par gouttelette. Au contraire, le premier médecin en Chine qui a découvert ça, qui dit ça en Chine, docteur Li, maintenant il ne prend pas en compte, il y a un docteur pour lisier. Et finalement, il est mort avec un coronavirus après, parce qu'il était infecté par l'isier même. Alors, docteur Gounou, j'apprends à l'instant aussi que cette sixième personne décédée n'a que 20 ans. Est-ce que cela devrait changer notre regard sur cette maladie? Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette maladie, elle touche des catégories à risque. Et tout comme la grippe, de temps en temps, il y a des gens qui sont une exception rarissime, c'est-à-dire que sur des dizaines de milliers de personnes qui sont atteintes, de temps en temps, il y a une personne jeune. Dans la grippe, c'est pareil. Hein. La grippe tue 400 000 personnes chaque année. Vous voyez, énormément de gens chaque année. Et ça tue, pareil, des personnes à risque, des personnes qui sont âgées, et de temps en temps, effectivement, une personne jeune. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi cette personne a peut-être des facteurs favorisants que l'on ne connaît pas. Parfois, il y a des anomalies cardiaques qui ne sont pas connues. Parfois, il y a des déficits immunitaires qui ne sont pas connus, se révèlent quand on a 40 ans, mais quand on trouve un microbe à 20 ans auquel vous êtes sensible. Il y a sans doute quelque chose chez cette jeune fille qui devait être anormale, mais qui n'était pas connue. Donc, on sait que ça peut arriver malheureusement, c'est rarissime, de chez rarissime, mais bon, quand on a 20 ans, c'est horrible, c'est une jeune fille qui est juste face à son avenir. Est-ce qu'on a une visibilité, docteur Go, sur ce qui va arriver? Est-ce qu'on voit la fin de l'épidémie, du moins à Maurice? Alors là, je ne peux rien vous dire là-dessus parce que personne ne le sait en fait. Maurice est un cas à part, c'est une île. C'est une île qui a pris très précocement des mesures de confinement. C'est une île qui les a fait respecter de façon remarquable et on espère énormément qu'on va avoir une courbe qui va être plate et que l'on aura à gérer. Alors il ne faut pas penser qu'on va sortir indemne de tout ça et que tout d'un coup, tout va s'arrêter. Il va continuer à y avoir des cas. Hein.
Mais ça, on est trop près du début de notre épidémie pour le dire. Pour l'instant, la courbe est plutôt encourageante. Mais peut-être que dans 3 jours, on va se rendre compte que ce n'est pas vrai. Voyez, mais disons qu'on sait que là, pour l'instant, elle n'a pas pris un mauvais sens. Alors, on sait qu'on était en confinement total pendant cette dernière semaine. Forcément, il y aura des résultats de ce confinement total. À quand peut-on s'attendre, à quand peut-on s'attendre à voir les résultats, l'effet de ce confinement total? Ça se voit 3 semaines à 1 mois après. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour en juger. Mais on a vraiment un challenge énorme avec ce confinement. C'est des sacrifices énormes pour le pays. C'est l'activité économique qui s'arrête. C'est les gens qui ne peuvent plus se voir en famille, ne plus se prendre dans les bras, etc. Alors, on ne va pas sortir du confinement comme on y est rentré. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à prendre des précautions, etc. L'épidémie aura été ralentie, mais elle n'aura pas été arrêtée. Donc là, il y aura toute une éducation à avoir. Et puis, petit à petit, une reprise de la vie normale. Nidoucha, une série de questions sûrement sur les symptômes à reconnaître si on est à la maison et qu'on tombe malade. Justement, les symptômes avec une question sur les symptômes dans cette vidéo suivante avec Marie depuis Rochebrune qui nous a envoyé cette vidéo. Bonsoir docteur, je suis Marie de Rochebrune. J'ai 3 questions à vous poser. Ma première question est: si on a des picotements dans le nez et les yeux qui grattent, est-ce qu'il y a une liaison avec le coronavirus? Ma deuxième question est: s'il y a des gens qui sont restés chez eux depuis le confinement, après 14 jours, s'ils ne font pas signe de coronavirus, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas atteints? Ma troisième question est: si depuis le confinement, il y a des gens qui sont restés chez eux et après 14 jours, ils ne font pas le signe de coronavirus, est-ce qu'ils doivent continuer à laver les mains? D'accord, je vais essayer de me souvenir de toutes les questions. Alors, la première question, est-ce que si on a le nez qui picote et la bouche qui picote, c'est ça? Est-ce que ça peut être un signe? A priori, je dirais plutôt non, ça pourrait être plutôt une allergie. Normalement, si on a à avoir des signes au niveau du nez, c'est un petit écoulement. Si la gorge picote seulement, c'est quand la gorge fait mal. Donc, a priori, non, mais il faut être vigilant et voir comment vont évoluer ces symptômes. Ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question. Si on s'est bien confiné, si personne n'est malade au bout de 14 jours, oui, on peut sortir sans problème de son confinement, si on y est autorisé. Et normalement, on n'est pas atteint, à condition qu'il n'y ait pas eu d'autres personnes qui soient venues dans le foyer et qui viennent de l'extérieur et qui peuvent, à ce moment-là, faut partir au jour zéro et encore compter 14 jours à partir du moment où on a rencontré quelqu'un. Et puis, la dernière question, c'était, au bout de 14 jours, que demandait-elle? C'était quoi la dernière question? Je me souviens plus. Donc, après 14 jours, est-ce que les symptômes peuvent se manifester, justement? Non, alors après 14 jours, s'il n'y a pas de symptômes, non, il n'y a pas de problème si le confinement a été parfait. La durée d'incubation, on sait, c'est vraiment 14 jours maximum. Une question de Keshav de l'Aventure. Donc, Dr Go, les masques N95 sont à usage unique ou est-ce qu'on peut utiliser ces masques à nouveau en les désinfectant? Alors, tous les masques jetables sont à usage unique. Il ne s'agit pas de laver les masques chirurgicaux ou les masques bec de canard, là, N95. Non, ça ne marcherait pas, là, ce serait catastrophique. Okay, il y a bien des gens, beaucoup travaillent dans le VIH, c'est juste pour raconter une petite histoire, il y a bien des gens qui relavent les préservatifs pour les utiliser, vous voyez. Il y a de l'imagination. Donc les masques et les préservatifs, ça ne se réutilise pas. Dernière question, Vijay Ramandulu, nous fin cause le deuil, la famille, nous fin remarquer qui plusieurs ban mauriciens demandaient qui fait pas révéler ban cas et dans qui ban région pays. Est-ce qu'il s'y révèle l'identité ban malade? Est-ce qu'il y en a une conséquence, ban conséquence sur la famille? Écoutez, moi, quoi, nous capables de retrouver même phénomène qu'il nous trouvait, Catherine cause VIH, c'est-à-dire malheureusement nous capables de retrouver même phénomène de stigmatisation et de discrimination, qui malheureusement a à faire encore plus du tort à la famille qui est affectée. Vijay Ramandulu, nous type cause le deuil pour les familles qui ont perdu ben proche, mais aussi énorme ben beaucoup de monde qui admettent dans ben l'hôpital à cause de sa maladie là et
Votre famille, papa, vient visiter vous aussi. Et ça aussi, il bouleverse la cellule familiale. Il est très attristé. Pas aussi au papa ici, il y a un proche qui est malade. Ça veut dire que là aussi, il y a un accompagnement. Définitivement. Donc, il ne faudrait pas oublier que l'annonce de la maladie, donc du COVID, donc avec tout ce qui nous peut trouver actuellement à Maurice, nous avons un sixième cas du monde qui est mort, à travers le monde, que tous les jours nous trouvons en séquelles. Donc, il y a une dimension traumatique dans le sens qu'il y a une réactive, une représentation de la mort. Et qui dit représentation de la mort, dit souvent des fois, phénomène de choc, phénomène d'angoisse. Donc, je crois que le patient a une même réaction, mais il ne faut pas oublier que la famille aussi, elle passe par la même étape de choc et elle passe par la même étape d'angoisse qui demande un accompagnement. Je crois que dans la psychologie, quand nous causons l'équilibre mental, nous perdons l'équilibre mental quand quelque chose ne plus fait sens, quand nous ne plus comprenons ce qui peut arriver, quand nous choquons, quand nous sidérons. Je crois qu'un accompagnement psychologique de bonne famille, il y en a tout ce sens dans un premier temps, justement pour essayer de mettre un peu l'ordre et pour essayer de donner sens à ce qui se passe et surtout pour écouter les autres par rapport à ce qu'il annonce de la maladie de notre proche réactivé. Dans un deuxième temps, il est extrêmement important qu'on accompagne une famille qui est affectée, nous reste collés à une fée. Donc, Catherine, il nous rappelle, bonheur, une fée scientifique, actuellement, plus de 80-85% du monde s'en sort pas mal. Il est extrêmement important, nous ne pouvons pas rassurer les autres faussement, mais c'est une chiffre scientifique qui est vrai, donc qui nous base nous. Et nous avons une formidable équipe du personnel soignant qui peut travailler, même pour ceux qui sont en quarantaine. Moi, ça a aussi une dimension qui rassure. Actuellement, on agit 20% de monde chez qui ça capable d'être plus compliqué. Et ça aussi, il dépend de ma situation, de ma condition biologique très particulière. Moi, je crois que quand nous pouvons causer l'accompagnement de ma famille qui est affectée, nous sommes capables, encore une fois, mettre en place un système de prière, Maurice est très pieux, nous sommes capables de mettre en place un réseau de prière, prier pour avoir un nom positif à nos proches qui sont malades dans l'hôpital ou ça qui est en quarantaine. Je crois qu'il est extrêmement important aussi, quand nous causons l'accompagnement de une famille qui est affectée, qui nous pas isole nous, mais qui nous communique. Bien sûr, nous besoin isoler nous physiquement par rapport au COVID pour se protéger, mais je crois qu'il nous capable d'utiliser un réseau qui nous est actuellement pour se connecter, WhatsApp, avec les amis, etc. Est-ce qu'il y a une cellule de communication entre la famille et le personnel soignant concernant un malade? Ah bah bien sûr, on donne des nouvelles du patient régulièrement, tous les jours. Mais bien sûr, au contraire, ça, c'est extrêmement important. Les gens, déjà, ils ne peuvent pas venir voir la personne. Bien sûr qu'on répond, les soignants répondent au téléphone et donnent des nouvelles aussi souvent que la famille le souhaite. Alors, pour revenir à l'origine de cette maladie, brièvement, Catherine Gault, cette maladie est partie d'un marché aux animaux, selon les informations de la province de Wuhan. Est-ce que c'est confirmé, c'est vérifié et confirmé, cette information? Il y a plusieurs histoires. L'histoire officielle, c'est qu'en novembre, un monsieur est allé dans ce marché aux poissons. Et dans les marchés chinois, il y a beaucoup d'animaux vivants. Et beaucoup, il y a des chauves-souris, il y a des serpents, il y a des pangolins, une bestiole un peu incroyable. Et ce monsieur donc aurait consommé de la chair de chauves-souris et ou de pangolins. Et il se trouve que donc ces animaux sont porteurs de coronavirus. Et donc, le virus mutant assez souvent, sans doute, le virus avait muté chez l'animal et il est devenu pathogène, c'est-à-dire il peut entraîner une maladie chez l'homme. Donc, d'ailleurs, il y a eu plusieurs appels de l'OMS et puis de plusieurs personnes pour dire qu'il fallait cesser la vente de ce genre d'animaux, particulièrement de la chauve-souris, hein, qui est interdite à Maurice maintenant et qui est très porteuse de tas de virus qui passent à l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle une zoonose. Vous savez, quand on va au zoo, on va voir les animaux. Donc, la zoonose, c'est une maladie d'origine animale qui, dans une certaine circonstance,
passe à l'homme. Donc c'est le cas du VIH, c'est le cas du chikungunya, c'est le cas d'énormément de maladies, et c'est le cas pour le coronavirus. Donc ce monsieur se serait infecté, puis aurait infecté d'autres personnes autour de lui, et voilà, il est mort très rapidement d'une pneumopathie. En réalité, il semblerait que les Chinois aient été pas tout à fait à l'aise avec cette situation ou dépassé par cette situation. Et en refaisant les choses à l'envers, il semble que l'épidémie date en fait de quelques mois auparavant. Elle se soit vraiment commencée à très très bas bruit, c'est-à-dire sans qu'on s'en rende compte. Et finalement, c'était là depuis un peu plus longtemps. Et le nombre de cas par rapport à ceux qui ont été rapportés dans la catastrophe qu'ont vécu nos amis chinois était finalement beaucoup plus important. Mais ce qui est sûr, c'est que cette maladie, elle est partie de cette ville. Elle est probablement partie de ce marché aux poissons, même si ce n'est pas ce monsieur-là et si c'est un peu avant. Mais en tout cas, c'est ça. De façon certaine, là, par contre, c'est le passage d'un virus qui était porté par un animal. Donc l'animal, ça n'entraîne pas de maladie chez lui, qui passait chez l'homme parce qu'il s'était modifié et que voilà, il est devenu infectant pour l'homme en entraînant une méchante maladie. Eh bien, le premier homme a été infecté et de là, il en a infecté d'autres. Et est-ce que le virus continue de changer génétiquement ? Je ne sais pas si tu veux répondre à cette question ou si je réponds, c'est peut-être à toi plutôt. Non, j'y vais. Les mutations. D'accord, les mutations, c'est bon. Alors, donc oui, un virus, c'est surtout les virus à ARN, ça se multiplie beaucoup et en recopiant le code génétique, ça se trompe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quand ça se trompe, qu'est-ce que ça peut faire? Le plus souvent, ça amène à la mort de la famille de virus qui descend de cette mutation. C'est-à-dire, j'ai changé, mon matériel génétique a changé, je ne peux plus me développer, je meurs. Donc, cette branche-là du virus va mourir. Ça peut entraîner des choses absolument neutres, c'est-à-dire que ça ne change rien, mais le virus a muté. Ou alors, ça peut entraîner un virus qui peut être plus virulent, plus méchant. Et effectivement, les virus à ARN peuvent muter, ils mutent assez facilement. Alors, nous, bien heureux, qui ou la case, ou peut-être nous, ça l'émission-là, parce qu'il nous dit à tout le monde, bien reste la case. Depuis une semaine maintenant, nous en confinement total. Demain, nous peut-être l'autorisation pour à la stémanser uniquement, et puis nous retourne la case, parce qu'il nous toujours sous un couvre-feu sanitaire. Le Premier ministre, lui-même, il monte au créneau pour expliquer à la population qui faire l'important ou reste sous la case. Nous pour aborder la dernière partie de l'émission, l'os à l'aspect confinement. Avec confinement sanitaire que le gouvernement finit d'imposer, vous pouvez réaliser que nous pas faire ça parce qu'il y a un plaisir là-dedans, parce qu'il est nécessaire. Parce qu'il est bizarre. Et c'est celle solution, celle façon que nous combattons ce virus-là. Le problème, c'est qu'il y a du monde, la cause, je ne peux pas trouver ce virus-là, la cause est invisible, je peux prendre un peu à la lésère. Il y a une situation bien, bien sérieuse, bien grave, et je tenais que ce qui peut arriver dans le monde. Surtout, dans le pays, quand nous suivons l'actualité, nous avons été, comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique. Et nous avons tiré les leçons de ça. Nous avons trouvé que si nous ne prenons pas précaution, qui bizarre, mais ça pour répondre parmi la population et pour appeler beaucoup de monde qui pour malade et dans certains pour gravement malade, et là la situation devient catastrophique. Et nous, ce qui nous peut dire, c'est qu'il ne concerne pas une section ou une autre section de la population. Il concerne nous tous ensemble là. Et mon appel, c'est qu'il demande un moment comme ça, premièrement, encore une fois, on m'aurait dit, suivre tout ça, bonne consigne qui vient de donner là, et montrer aussi notre solidarité. Et on comprend que dans une situation difficile comme ça, il y a beaucoup de monde dans un problème, dans une
façon ou une autre peut faire face à certaines difficultés. Mais là, les comédiens nous donnent la guerre. Donnent la guerre, au moins, on trouve avec qui ça là, on a besoin de combattre. Mais là, on ne peut pas trouver ça, c'est l'ennemi qui nous a besoin de combattre là. Donc, montrez-nous à la hauteur de ce combat-là et nous faisons une manière qui nous gagne, nous tous ensemble. Et là, bien sûr, nous avons besoin de reconstruire nous, l'économie, reconstruire nos pays. Parce que ce n'est pas juste Maurice qui est concerné, le monde, moi je peux trouver, peut aider nous là avec ça. Alors, je compte les autres, tous mes compatriotes. Alors, Vijay Ramanjulu, le Premier ministre dit Ali, bien, nous tous ensemble, nous devons agir pour qu'il arrête la propagation de cette maladie-là. Pasis Maurice, le monde entier, Pasis Endimunda Maurice, tous les Mauriciens devons agir ensemble. Et c'est le moment pour que les Mauriciens y pensent plus collectivement et pas individuellement. Et c'est difficile des fois. L'indiscipline a cruellement manqué à Ban Mauricien ces derniers jours, nous trouvons lui, parce que Ban Mauricien est content de désobéir, nous avons dit Ali comme ça. Beaucoup Mauriciens sont contents de désobéir. C'est le moment de penser collectif, là, en ce moment. Évidemment, donc, le Premier ministre a raison de rappeler que c'est collectivement qui nous capables de gagner le combat contre ce virus-là. Mais c'est même pas croire que c'est juste les Mauriciens qui sont indisciplinés. Par exemple, en France, en une seule journée, 30 000 personnes finissent colonne PV par rapport à non-respect du couvre-feu. Donc, mon avis élargit ça un petit peu plus pour dire que, connaît au niveau mental, peut-être nous tous nous pas pareil, nous structurer différemment. Il y a des gens qui obéissent à la loi rapidement, et il y a des gens qui, pour différentes raisons, sont moins soumettent à la loi. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'ils se comportent comme des enfants de 3 ans, indisciplinés et pas respectés les consignes, ce qui m'ont rappelé, pour des gens qui peuvent écouter, moi, extrêmement grave. Parce que, me maintenir, que seule façon nous capables d'éteindre ce virus-là, c'est qu'on se confine chez soi, qu'il nous reste contre nous, parce qu'il plie nous sortir, plus nous peut donner le virus-là pour voir. Mais quoi, il y a une dimension aussi qui nous a besoin de causer, parce qu'il nous peut causer la psychologie. Nous tous, nous peut passer par ce qu'on appelle un traumatisme collectif. Nous sommes capables de dire que même les gens qui mentalement plus équilibré, peut déstabiliser en ce moment et peut produire l'angoisse massivement. Et mon révine l'eau, là, hein, quand nous passons par un traumatisme, quand nous produisons l'angoisse, nous choquons, et après, quand nous choquons, nous mettons en place un espèce de système de protection mentale qu'on appelle le déni. Mm-hmm. Déni, ça veut dire que non, ce n'est pas vrai, je ne pas pour gagner ça, ça n'arrive qu'aux autres. Nous pouvons trouver un petit peu ce phénomène-là, malheureusement, chez beaucoup de Mauriciens qui pensaient aux autres costauds, aux autres forts, aux autres en bonne santé, et que vous êtes protégés de la maladie, vous n'êtes pas pour gagner ça, mais vous êtes voisins qui pour gagner ça. Moi, j'ai envie de rappeler que malheureusement, le coronavirus n'est pas comprend sa logique mentale. Là, le coronavirus, ce logique, si tu es sorti, libise toi, et c'est avec toi qu'il est pour contaminer les autres. Alors peut-être il faudrait mieux expliquer peut-être cette notion de confinement, docteur Go. Peut-être les Mauriciens ne comprennent pas le sens de ce confinement. Que veut dire confiné à la maison? Est-ce que c'est rester enfermé entre les quatre murs de sa maison? Est-ce bien cela? Alors, le but du confinement, c'est de ne pas passer le virus d'un individu à un autre. Le virus, il est très égalitaire. Comme l'a dit le Premier ministre, il touche tout le monde, du petit bébé au grand-père, de la personne très riche à la plus pauvre, d'une religion à une autre. Il va toucher tout le monde parce que lui, le virus, il n'a qu'un but, trouver un autre être humain pour pouvoir continuer à vivre. S'il ne le trouve pas, il va mourir de sa belle mort. Donc, c'est le principe du confinement, c'est de dire, eh bien, le virus ne va pas passer, ne va plus passer d'une personne à une autre. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si quelqu'un est malade, eh bien, nous avons notre système immunitaire qui va se mettre en branle et qui va fabriquer ces fameux anticorps, c'est-à-dire les soldats spécifiques pour ce virus-là, pour aller tuer ce virus-là.
Si le virus n'a pas réussi à s'échapper alors que les anticorps sont là, s'il n'y a pas beaucoup de virus, parce qu'il faut beaucoup de virus pour aller recontaminer une autre personne, qui réussisse à s'échapper, c'est cuit pour lui, c'est fini, il est mort, l'épidémie s'arrête. Alors le confinement, ça veut dire se mettre dans la situation de ne pas donner l'occasion au virus de trouver une seule personne, parce qu'une seule ça suffit, auquel on peut passer le virus. Et pour ça, il ne faut pas rencontrer de personnes pendant toute la période où c'est possible de contaminer. Mais comment ça se passe à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'il faut à la maison aussi garder la distance de sécurité? Non, c'est extrêmement compliqué pour des gens qui ne sont pas atteints de garder des distances de sécurité à la maison. À la maison, on profite du fait que l'on est ensemble. On peut plus profiter de ses enfants, de son mari, de sa femme, de ses parents. On a la chance, d'une certaine façon, avec cette catastrophe, de se retrouver ensemble. Donc, c'est une autre façon de vivre. Mais c'est une façon de vivre qui, forcément, va amener des choses très difficiles et en même temps des choses très positives. Donc, au sein du foyer, on peut faire ce que l'on veut, puisqu'on s'est confinés tous ensemble au même moment. Donc, on va. Voilà. Si jamais une personne du foyer déclare des symptômes, à ce moment-là, il y aura un mécanisme particulier. Il faudra refaire un confinement pour les autres un certain temps. Mais cette période, elle peut être mise à profit pour profiter des uns des autres, avoir une autre relation ensemble. Alors parfois, c'est une période qui est difficile parce que les couples qui ne s'entendent pas bien, ils sont sans arrêt les uns sur les autres, ça peut aller mal. Les gens qui ont des problèmes d'addiction, on sait que le confinement peut aggraver l'addiction, notamment à l'alcool. Ça peut être des périodes également difficiles. Donc dans cette période, il faut être particulièrement solidaire. Se confiner, c'est être solidaire des autres. C'est se dire, je ne vais pas écouter mon égoïsme, mon petit plaisir, ah là là, je vais aller à la plage, ou vous savez, des choses qui sont finalement tellement bénignes. On vient d'apprendre la mort de cette jeune fille, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il faut éviter qu'il y en ait d'autres, c'est tout. Et en pensant à ça, il faut faire en sorte qu'on soit tranquille chez nous, à faire effectivement des activités pas forcément habituel, peut-être à faire du télétravail aussi, une autre façon de travailler et de rendre service. Il y a quelques personnes qui sont dans les services essentiels qui doivent sortir. Elles respectent les distances sociales et elles respectent le lavage des mains toutes les heures. Je peux vous dire qu'au bureau du Premier ministre, tout le monde se lave les mains toutes les heures. On essaye de bien... Et d'ailleurs, quand on va sortir de cette émission, la première chose qu'on va tous faire, c'est d'aller se laver les mains. Parce que même si vous avez peut-être lavé cette surface, peut-être qu'il y a un virus. Donc voilà, on va tous faire ça. Alors, vu la progression de la maladie à Maurice, est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on pourrait envisager un confinement plus ferme? Il est déjà assez ferme, ce confinement. Je crois que là, on est un des pays les plus exemplaires là-dessus. Il y a peut-être les pays asiatiques, ou pour des raisons politiques, où il y a d'autres régimes qui sont un peu moins peut-être démocratiques. Le confinement a été respecté à la lettre. Et puis, vous savez, les pays asiatiques, ils ont connu quand même d'autres maladies, et notamment le SRAS, par exemple. Et ils ont des souvenirs de ce que ça peut faire. Donc, nous, c'est la première maladie virale de ce type-là, de type contagieuse, auxquels les pays sont confrontés depuis finalement la grippe espagnole qui était à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-1919. Les épidémies de le SRAS, c'était 2002, donc les gens s'en souviennent encore très douloureusement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment dire, mais les gens ont perdu la mémoire de ce que pouvait être une autre vie. Et se confiner, c'est quelque chose qui est une preuve de respect pour soi, une preuve d'amour envers soi-même, on se respecte, et une preuve d'amour envers les autres. Mais comme le dit très bien Vijay, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas construits pareil, il y a des gens qui ont une vie difficile, il y a des gens qui ont des raisons, parce qu'ils ont très peur d'agir comme des fanfarons. Et ceux-là, oui, c'est vrai, ils risquent de tout faire rater. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à ce propos, Nitoucha, du public. Plusieurs questions, notamment par rapport au traitement du coronavirus à Maurice. Docteur Go, quels sont les traitements qu'on est en train d'utiliser actuellement à Maurice? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul traitement qui est sûr à 100%, c'est le paracétamol.
Après, tout le monde sait qu'il y a eu des publications sur l'hydroxychloroquine, qui est un traitement qui est dérivé des maladies des traitements du paludisme, mais en fait qui ne soigne pas le paludisme, qui est un médicament qui traite les maladies auto-immunes. Alors ça, c'est une autre maladie, on fabrique des anticorps contre soi-même, comme certaines polyarthrites, comme le lupus, qui est une maladie que certains d'entre vous peut-être connaissent. Donc ce médicament-là, associé à un antibiotique qui s'appelle azithromycine, il donne de très bons résultats au niveau biologique, ça c'est sûr, hein, les charges virales, la quantité de virus dans le sang diminue. Au niveau des résultats cliniques, bon, les résultats sont controversés. Mais malgré tout, étant donné la possible efficacité de ce médicament, le côté pas du tout toxique si on respecte les quelques contre-indications, mais ça les médecins savent, dès le premier patient à Maurice atteint, il a été choisi de donner tout de suite ce traitement. Après, il y a les traitements symptomatiques, c'est-à-dire si on est encombré, il y a la kinésithérapie. Si on a besoin d'oxygène, on donne de l'oxygène. Et au pire, c'est l'intubation et la réanimation. Mais on espère fortement, encore une fois, que les nombreux essais, il y a 144 essais de médicaments en ce moment dans le monde. Donc c'est énorme. Donc sur tous ces essais-là, on espère qu'il y a un médicament qui sera efficace. Mais c'est trop tôt pour le dire. On va commencer à le savoir d'ici une dizaine de jours. Et puis à ce stade, est-ce qu'on peut indiquer le nombre de jours pour guérir un patient ? Le nombre de jours pour ? De jours pour guérir un patient. Le nombre de jours pour guérir. Alors, en général, une fois qu'on est contaminé, qu'on a des signes, d'abord, on est contagieux un ou deux jours avant. Et ensuite, en moyenne, on guérit en une semaine, 10 jours. Les formes qui doivent guérir, ça va aller vite. Mais il y a des gens qui traînent plus longtemps. Et comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont des formes chroniques. Et puis, il y a des formes, il y a aussi les gens qui sont allés en réanimation et qui, eux, risquent de garder des séquelles quand même respiratoires. C'est un patient qui a un Covid, c'est un patient qui a un poumon très, très malade, qui doit être ventilé souvent 15 jours, 3 semaines, c'est des réanimations très longues, qu'on a du mal à sevrer de son appareil respiratoire. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un poumon qui reste... C'est pas tout le monde, hein, mais certains d'entre eux peuvent avoir un poumon qui reste abîmé et donc qui vont avoir toujours des petites difficultés respiratoires après, quand ils sont revenus dans leur vie normale. Donc ça peut aussi laisser des séquelles. Et on parle de guérison. Si une personne est infectée, elle est guérie, est-ce qu'elle peut être infectée à nouveau ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité résiduelle. En principe, quand votre armée, là, votre système immunitaire a fabriqué ces fameux anticorps que l'on trouve grâce aux sérologies, donc ces soldats spécifiques de ce virus-là, en principe, l'immunité dure au moins un certain temps. C'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Alors, pour ce virus, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que sur les autres coronavirus, il y a une immunité qui dure relativement longtemps, donc c'est au moins plusieurs mois, ça peut être plusieurs années. Et puis, s'il y a un vaccin, eh bien, ce vaccin permettra de stimuler à nouveau le système immunitaire. Le vaccin, ça sert à ne pas attraper une maladie, c'est un traitement préventif. Donc on espère beaucoup de tout ça. Ce que je peux dire aujourd'hui, j'espère sans me tromper, mais encore une fois, pas sûr à 100%, c'est que cette immunité dure au moins quelques mois. Docteur Go, on parle de confinement national qui reste quand même difficile pour les enfants surtout. Est-ce qu'il y a un protocole qui a été adopté à Maurice pour traiter les enfants qui sont infectés ? C'est le même protocole que pour les adultes, avec des formes pédiatriques bien sûr, mais les enfants infectés en général font des formes asymptomatiques, comme j'expliquais au début, c'est-à-dire ils n'ont pas de symptômes, on ne se rend pas compte chez eux. Alors oui, il y a quelques cas qui sont décrits, il y a un bébé, alors ça c'est très mystérieux parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'immunologiquement il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'il meure, mais enfin celui-là il est mort, qui est décédé, donc pour l'instant un bébé dans le monde. Il y a des jeunes adolescents, 11 ans, 12 ans, il y en a un ici, un là. Donc il y a parfois, exceptionnellement, exactement comme pour cette jeune fille, les enfants sont touchés. Mais alors il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui ont attrapé cette maladie et qui ne s'en sont même pas rendus compte. Ça, c'est vraiment ça. Habituellement, les petits-enfants, normalement, ne font pas de forme grave. Donc bien sûr, il y a du traitement dont je vous ai parlé au niveau pédiatrique, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est possible. Mais voilà, on n'a pas eu l'occasion de donner encore ici à Maurice.
Et pas de symptômes du tout pour les enfants ou est-ce Alors, que... bah, c'est la médecine, hein. Il y a pas une... c'est pas toujours exactement pile la même forme, sinon on ne ferait pas 12 années pour être spécialiste d'études et puis après plusieurs années d'exercice avant de vraiment pouvoir être bien dans sa spécialité. Non, dans 99, je sais pas combien de pourcents, les enfants ne font pas de symptômes ou de très petits symptômes. Pour finir sur une bonne note, donc pour terminer cette émission, on abordera un peu les personnes qui sont en train de guérir de la maladie, docteur Catherine Gau. Est-ce qu'il y en a à Maurice, les personnes admises pendant quelques jours à l'hôpital et qui sont maintenant en train de guérir de cette maladie? Alors effectivement, s'il y a quelques personnes qui décèdent, l'immense majorité des gens, pratiquement 99%, guérissent. Et vont bien. Alors oui, nous allons bientôt avoir nos premiers guéris. D'ailleurs, nous les avons certainement, mais il faut les confirmer par la confirmation qu'il n'y a plus de virus dans leur corps par un nouveau prélèvement. Donc la PCR, le fameux prélèvement dont on parlait tout à l'heure, qui en fait recherche le virus lui-même, pas les anticorps, mais le virus. Et s'il n'y en a plus, sinon plus de signes cliniques, ils sont guéris. Bien sûr que oui, on va faire les PCR pour affirmer que les gens sont guéris, mais on sait déjà qu'on a beaucoup de patients qui sont guéris à Maurice. Et heureusement, c'est l'immense, immense majorité. Donc oui, bien sûr qu'on peut guérir de cette maladie, et même c'est le cas le plus fréquent et de très, très, très loin. Il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont guéri de cette maladie dans le monde. Ça, on le sait très bien. Et ceux qui guérissent de la maladie, est-ce qu'il y a des séquelles par la suite dans Alors, mis à part les patients qui ont fait des formes extrêmement graves, et qui peuvent garder des séquelles pulmonaires plus ou moins importantes. A priori, il n'y a pas de séquelles, sauf peut-être le fait d'avoir perdu le goût et l'odorat qui semblent persister bien après la guérison. On ne sait pas encore combien de temps. Les gens récupèrent en général. Mais comme c'est un symptôme qui a été découvert récemment, on n'a pas encore suffisamment de recul pour dire si ça peut rester chez certaines personnes une réelle séquelle. Et puis peut-être qu'on apprendra par la suite qu'il y a d'autres séquelles que l'on ne connaît pas encore. Mais là encore, bon, il y a quand même pas mal de recul chez les patients chinois. Et chez les patients chinois, il n'y a pas de séquelles qui sont publiées, en dehors des séquelles pulmonaires. La vie reprend petit à petit en Chine, d'où est partie cette maladie fin 2019. Aujourd'hui, le pays n'enregistre pratiquement plus de nouveaux cas. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule partie de la Chine qui a été atteinte. Ça veut dire que les autres parties ne sont pas immunisées et on pourrait avoir de très très mauvaises surprises. La propagation de l'épidémie, elle dépend de ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui a été atteinte et qui est immunisée, c'est-à-dire qui a fait ces fameux anticorps neutralisants. Ceux qui n'ont pas fait la maladie et qui n'ont pas les anticorps peuvent toujours l'attraper. Donc lorsque la grosse épidémie va être partie, il ne faut pas penser qu'on en sera sorti complètement, hein. On continuera à avoir des cas, mais ce qu'on appelle des cas sporadiques. Les cas sporadiques, c'est un cas par-ci, un cas par-là. Et c'est toute la stratégie de sortie de confinement qui est bon, essentiellement très bien faite en Corée, où là, on est sur du dépistage très important de la population. Et donc, il n'y a plus la grosse épidémie, mais on recherche toujours, on demande aux gens, s'ils ont le moindre symptôme, de se faire dépister. Il y a même des drives où on peut se faire dépister. On reste au volant de sa voiture et puis, hop, quelqu'un vous met une sorte de coton-tige dans le nez ou dans la gorge. Et puis, vous avez votre résultat le jour même dans la soirée. Donc voilà, il va falloir de toute façon avoir une nouvelle culture, changer nos habitudes et faire en sorte qu'il y ait le minimum de personnes contaminées. Donc ça va être la même chose, hein, quand une personne va être atteinte, on va la diagnostiquer au plus vite, l'isoler, ça peut être chez elle, hein, si c'est une personne qui n'a pas de facteur de risque, et faire en sorte qu'elle ne contamine pas d'autres personnes. Donc on ne va pas s'en sortir comme ça. Il va falloir une vigilance encore très importante, malheureusement, pendant plusieurs mois, probablement, peut-être plusieurs années.
Docteur Catherine Go, merci d'être venue nous voir ce soir pour cette émission. Je remercie également Docteur Shyam Manraj et Vijay Ramanjulu pour avoir participé à cette émission. Et la motivée préparée à l'émission-là pendant la journée, il y a une image qui m'est restée à l'esprit, c'est la situation en Italie, hein, le pays le plus touché en ce moment avec, je le disais plus tôt dans l'émission, 14 000 décès à ce jour, et on vous laisse sur ce reportage préparé par la rédaction de la MBC. Je remercie au passage Nitoucha qui a pris toutes nos questions, toutes vos questions aujourd'hui. Merci au public d'avoir participé à notre émission. Soyez prudents, et demain pour les courses aussi, prenez toutes vos précautions, restez prudents et vigilants. Merci et bonne soirée à vous tous. Italie, un pays qui fin ravasé par COVID-19. Ban scène qui fait peur, ban italien peut faire face à une mortir avec non ban cas qui fin augmenter à une vitesse incroyable. Avec plus de 11 000 morts, Italie reste pays à côté fin n'en plus beaucoup d'essais liés avec nouveau coronavirus. Et ces régions, Lombardie qui fin plus toussé par sa pandémie là. Ban italien qui confiné dans la case peut gagner peur parce qu'il s'acquen dans zut. Kikken qui finit infecté par COVID-19. Je connais comment sa maladie la grave, je connais comment sa maladie la détruit une personne. Ban infirmier héros peut travailler la nuit les jours pour guérir ban malade. Mais c'est sa ban héros la même qui vient ban annonciateur la mort. Pendant sa litandie là, ban autorité fin bizin demande l'aide militaire pour transport ban cercueil, un grand moyen qui t'y peut servir pendant la guerre mondiale. Peut bizin transport ban l'écho dans ban les autres la ville en Italie. À cause n'est plus en place. Sa bonne personne qui finit décédée là, zut proche, pas fin gain droit zut, zut, pas fin gain droit dire zut un dernier adieu, pas fin gain droit rendre zut un dernier hommage.